cet ordinateur. Super. Bon, ben voilà, il est 8 heures. Donc, je déclare ouverte la soirée questions-réponses sur le Casina et plus largement sur tous les hypnostimulateurs que Alpha Relaxation a commercialisés. Je sais que ce soir, nous avons peut-être plusieurs invités qui ont encore un psio. Hein, donc, bienvenue à eux. Et justement, j'étais en train de répondre avant de cliquer sur démarrer la soirée. J'étais en train d'expliquer, de donner, je vais répondre à Isa pour quelle est la différence entre un Casina et un Psio. Mais il m'avait semblé, Isa, que je vous avais envoyé un comparatif écrit en. Ah, je suis presque sûr, Isa. Comme il était à la fin du mail, à mon avis, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Mais je suis prêt à vous le renvoyer. Évidemment que je ne vais pas faire ça ce soir. Je vais simplement résumer en disant, pour ceux qui ont un Casina et qui n'ont jamais entendu parler de ce que c'est qu'un Psio, le Psio, c'était l'hypnostimulateur que nous commercialisions avant la révolution Casina. Donc maintenant, ça fait 5 ans. Au départ, nous devions vendre les deux produits. Entre-temps, le fabricant a doublé le prix. En plus, il y a eu des choses pas très claires avec nous, donc je ne veux pas développer, mais vous savez ce que c'est les choses qui arrivent. Hein. Donc, ils nous ont fait beaucoup de. Voilà, ils nous ont fait des choses pas très cool. Donc, on est en justice avec eux déjà au moins 5 ans. Et je pense que dans 10 ans, il y sera encore, parce que vous savez bien qu'en justice, vous savez quand vous rentrez, vous ne savez pas quand vous sortez, même si vous avez raison, peu importe. Puisque de toute façon, chacun pense avoir raison. Vous savez comment c'est. Hein. Bien. Donc, c'est la même chose, c'est-à-dire que tous les conseils ce soir, Isa, à part les conseils purement techniques, genre comment on fait ci, comment on fait ça sur l'appareil, ça c'est totalement différent. Par contre, au niveau des principes d'utilisation, même si le Psio a quelques trucs en moins, et qu'il y a certaines choses dont on parlera ce soir, malheureusement, que le Psio ne peut pas faire, mais globalement, sur comment on l'utilise, ce qu'on peut en attendre, quels sont les grands principes, franchement, c'est tout à fait similaire. Hein. Donc, ce que je répondrai à tout le monde au niveau du Casina, vous pouvez vraiment en prendre aussi des informations. Voilà pour Isa. Alors ensuite, c'est Catherine qui m'avait posé une question par rapport à un mail qu'elle m'aurait envoyé, ou qu'elle m'a envoyé, pardon. Elle m'entend toujours, Catherine? Oui, je vous entends. Je vous entends bien. Et c'était quoi la question? En fait, j'ai acheté le Casina il y a à peu près 2 ou 3 ans. Je ne l'avais jamais regardé parce que j'avais peur de mal faire. Et D'accord. après la soirée questions-réponses du mois de décembre, je l'ai pris en main, je l'ai regardé. Mais Super. je ne savais pas, comme il y a plusieurs programmes et des sous-programmes, je ne savais pas quel programme choisir en fonction de la problématique. D'accord. Alors, ben ça, c'est un petit peu l'objet de ce soir. Par contre, enfin, de ce soir, de ce genre de soirée. Par contre. Ce que je vais vous donner, et je vais le donner à tous les débutants, ceux qui éventuellement n'ont pas consulté le mail, les tout débutants, ceux qui ont le Casina depuis pas très longtemps, quand ils ont commandé, qu'ils soient passés par notre partenaire Bibouda ou qu'ils soient passés par nous, à un moment donné, ils ont reçu un mail dans lequel il y avait toutes les indications. Mais comment commencer, la vidéo de démonstration, etc. Mais comme. Vous allez avoir ce replay. Je vais vous partager l'écran pour vous montrer où vous trouvez les infos qui étaient contenues dans le mail, en tout cas les principales, pour les tout débutants. Et comme ça, je vous invite, même si ce soir je vais répondre à plein de questions, je vous invite vraiment pour les débutants, hein, ou ceux qui, comme Catherine, n'y avaient pas touché depuis un certain temps, je vous invite vraiment à repartir à la base, parce que justement, Catherine, dans ce que je vais vous montrer, c'est parfaitement expliqué. Alors, je vais partager l'écran. Voilà, je vais choisir. Alors, partager. Là, vous devriez normalement, si tout va bien, vous devriez avoir mon site Internet. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, tout à fait. Bien. D'ailleurs, au niveau de l'affichage, il faudrait que je supprime. Voilà, il faut la supprimer. Voilà, ça prendra du temps. Alors, vous voyez, là, je suis sur le. Je pense que vous voyez que je suis sur l'accueil de Alpha Oui, Relaxation. D'accord? Donc, tout à fait. alpharelaxation.fr, c'est notre site internet, c'est facile. Même si vous l'avez acheté par Bibouda, maintenant, c'est forcément pour tout ce qui est suivi, questions, etc., c'est forcément sur alpharelaxation.fr. Et alors, c'est facile, regardez. Dès la page d'accueil, vous avez ici Assistance Casina Alpha Forum.
Première possibilité, elle est là. Sinon, vous, ici, vous voyez, dans les menus, vous cliquez sur Assistance Alpha Forum. Vous voyez, il y a deux façons d'y aller. Mais d'une façon comme de l'autre, vous arrivez au même endroit. Voilà, vous cliquez là. Et là, vous allez arriver sur le forum. Et voyez le forum. Alors là, il y a plein de questions auxquelles j'ai répondu. Et vous avez en tout début, ça reste toujours au début, ça ne bouge pas, alors que les autres questions, elles s'accumulent. Ici, non, il y a deux choses qui sont toujours au début. C'est premièrement la vidéo de démonstration et le mode d'emploi du Casina. Et autre chose, à ce propos, pour la personne qui a un PSIO, il suffit qu'ici, dans le module de recherche, vous tapiez PSIO et vous allez retrouver la même chose pour le PSIO. D'accord, Isa ? OK. Ici, vous tapez PSIO et vous allez avoir tous les posts qui ont été mis sur le PSIO. Hein ? Évidemment, maintenant, ils sont un peu loin parce que ça fait maintenant quelques années. Mais peu importe, ils sont là. Et puis, d'autant plus que de temps en temps, je réponds encore à des questions sur le PSIO. Voilà. Donc, pour les tout nouveaux, et vous voyez ici, s'initier avec le Casina et aller vers un objectif. Et là, donc vous cliquez là, et là, on va vous expliquer. Je vous ai fait un petit laïus qui vous explique. Alors, avec en plus un lien vers une vidéo où j'ai déjà expliqué la chose. Donc, véritablement, pour les débutants ou ceux qui s'y remettent ou ceux qui veulent se rafraîchir un peu les idées, vous allez sur l'accueil du site Internet. Sur l'accueil, je reviens à l'accueil, que ce soit bien clair. Je le refais une deuxième fois. Assistance Forum, je clique ici ou je vais dans Assistance et je clique ici sur Alpha Forum. Vous voyez la petite main là, vous la voyez. Voilà. Oui. Donc, je reviens sur Forum. Voilà. Et c'est les deux premiers. Donc, commencez par voir la petite vidéo. La petite vidéo, c'est une vidéo qui va du déballage du Casina jusqu'à la première séance, le réglage des lumières, le réglage des couleurs quand on peut régler les couleurs, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et comment régler la lumière, comment régler le son, comment naviguer dans les menus, tout est visuel. Alors, c'est une petite vidéo amateur, mais elle est très explicite. Et par contre, et ici, eh bien là, c'est quel programme utiliser, à quel moment, avec quel programme je démarre. Et de toute façon, justement, je vais, par rapport à ça, vous savez que… Alors, je vais arrêter le partage. Voilà. Alors, ceci dit, pendant qu'on est sur le forum, vous voyez, ici sur le forum, j'ai déjà répondu à des dizaines et des dizaines de questions. Elles sont là. Il suffit de dérouler. Vous voyez, vous le déroulez. Première possibilité. Deuxième possibilité… Alors, des fois, ce n'est pas très facile, mais vous pouvez ici, dans le module de recherche, vous voyez ici, en haut à gauche, vous voyez là ma souris. Et là, vous cliquez, par exemple, PSIO, pour Isa, elle clique sur PSIO. Je clique sur rechercher. Et là, vous voyez comment débuter avec le PSIO et aller vers un objectif. Vous voyez, on le retrouve. Comment débuter avec le PSIO, Alpha News, le réseau PSIO, mon PSIO fait un bruit bizarre, mon PSIO, etc., etc., etc. Voilà, donc… Mais ce module de recherche peut servir aussi à rechercher, je ne sais pas moi, craquement. Tiens, craquement, j'entends des craquements dans le son de mon… Ben, je clique sur craquement. Vous voyez, craquement et coupure lors de la lecture des programmes du Casina. Vous voyez, j'ai déjà répondu à ça. C'est un bug informatique qui arrive de temps en temps. C'est que, vous savez, comme tout système informatique, eh bien, le support, ça peut être un disque dur, ça peut être une clé USB. Eh bien, ça peut. Il y a des secteurs qui peuvent s'user. Et donc, il arrive que la carte SD du Casina puisse s'user. Donc, c'est très facile. Il suffit de… C'est très bien expliqué. Donc, je ne vais pas développer là parce que ce n'est pas forcément le lieu ce soir. Mais en tout cas, ce que je voulais vous montrer ce soir, c'est comment faire une recherche et comment avoir déjà plein de questions. Également, sur… J'en profite pendant que je suis dans les histoires de forum, parce que c'est aussi un endroit. Alors, où est-ce que c'est voilà, vous voyez, nouveau, mes réponses du forum vidéo. Sur la chaîne YouTube, il y a pas mal de questions classiques ou qui demandent un développement, où j'ai répondu directement en vidéo. Vous voyez ce que je veux dire, plutôt que par écrit. Là, on m'a posé une question et je réponds directement en vidéo. Et donc, il suffit d'aller sur notre chaîne YouTube. Et dans la chaîne YouTube, vous avez une playlist qui est marquée Alpha Forum Vidéo. Et donc, du coup, bah là, vous trouverez plein de réponses.
Il y en a plein. Comment gérer le problème de sommeil, comment démonter le casinat. Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent être vraiment très intéressants, même si vous n'êtes pas débutant. Voilà, donc je vais arrêter le partage. Sauf si, est-ce que par, tant que je suis là, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou pas? Oui, Arménio, c'est Catherine. Oui, je vous en prie. Oui, je voulais savoir dans la recherche si je marque claustrophobie, je vais trouver Non, le. là, je pense que vous ne trouverez rien. Eh bien, non, claustrophobie, c'est comment dire, vous aurez plutôt, ici, dans s'initier avec le casinat, là, vous aurez ce genre de réponse, d'une part. Et d'autre part, vraiment, sur le forum vidéo, j'ai déjà répondu, et peut-être qu'on va l'aborder ce soir, j'ai déjà répondu longuement à, comment dire, à comment on choisit des programmes. Et comment fonctionne un casinat? Et que on ne choisit pas un programme par rapport à un symptôme, mais ici on est dans une logique où on choisit plutôt un protocole et non pas un programme. Et ça, il faut se sortir ça de la tête. Donc ça, j'ai déjà répondu en vidéo à ça très longuement. La vidéo, elle dure 14-15 minutes. Vous pouvez la trouver très très facilement sur la chaîne YouTube. Tout le monde s'est allé. Tout le monde sait aller sur notre chaîne YouTube. Si vous ne savez pas y aller, vous savez, il suffit de venir ici. Regardez, regardez. Je clique ici sur vidéo de démonstration, par exemple. Voilà. Ah, c'est long parce que comme on est sur. Bon, là, vous voyez par exemple ici, vous voyez une vidéo. Eh ben, imaginons que je démarre la vidéo. J'ai enfin reçu Vous mon voyez, ben casino. ici, alors là, je ne peux Bonjour, pas parce qu'il est bonsoir. trop, trop Pour petit. voir tout ce qu'elle contient. Voilà. Comment je Ah. fais? Ça, je le pousse. Vous voyez Super. ici? Regardez sur YouTube. Eh bien, si je clique là, je vais me retrouver. Vous voyez? Là, je vais carrément me retrouver sur ma chaîne. Ah, alors là, par contre, je ne sais pas. Démonstration complète de l'hypnostimulateur. Alors évidemment, il y a une pub. Vous voyez, vous vous retrouvez. Là, vous êtes sur notre. Vous voyez, vous êtes On trouve sur donc notre chaîne YouTube. la console. Alors là, je coupe le son pour pas que ça vous ennuie. Et là, vous voyez vous vous retrouvez sur notre chaîne YouTube. Donc là, vous pouvez vous abonner, etc. Là, vous n'allez pas voir ça parce que moi, j'arrive dessus. Évidemment, c'est ma. Comment dirais-je? Comme c'est ma chaîne, moi, il apparaît les fonctions de gestion, il n'apparaît pas la même chose que vous. Mais vous pourrez. En allant sur YouTube, retrouver la. Comment la, et d'ailleurs, dans tous mes mails, quasiment, je vous mets des liens vers notre chaîne YouTube. Et si vraiment vous ne la trouvez pas, eh ben, renvoyez-moi un petit mail et je vous envoie le lien vers la chaîne YouTube. Voilà, j'arrête le partage, je reviens à vous. Voilà. Des questions par rapport à ça? Et sinon, après, ben, dans la foulée de ça, s'il n'y a pas une question, j'avais trois questions qui m'ont été posées. Et d'ailleurs, quelqu'un l'a évoqué, j'ai vu en direct, quelqu'un a parlé d'acouphènes. Oui, c'est Quelqu'un m'a moi. dit, C'est moi, Catherine, c'est moi. Bonjour. qui est-ce qui est là? Viviane. Bonsoir Viviane, comment allez-vous? Bien, tu vas bien? Super, super. Bon, alors est-ce que quelqu'un se lance? Est-ce que quelqu'un? Moi, j'ai des questions en attente, c'est-à-dire des Alors, gens. je repose ma question. Donc, vous m'avez gentiment envoyé le lien pour le traitement des acouphènes. Que Oui. je fais très, très, très régulièrement. Pratiquement, je fais une séance par jour depuis bien une vingtaine de jours. Et Super. alors, ce qui est très étrange, c'est que je n'ai aucune amélioration par rapport aux acouphènes. Mais cependant, j'ai Vous voyez, vous étiez noté. là. Vous étiez là. Vous étiez la deuxième question. Vous voyez, Ah, Viviane. d'accord. OK. Merci de On va en m'expliquer. parler, mais puisque vous commencez, je vais commencer par celle-là. Alors Alors, oui, attendez, continuez, finissez votre Donc, question j'ai parce que fini avec ça ma va question. intéresser tout le monde, et y compris la personne. Ensuite, Pardon, voilà. Viviane, excusez-moi, je vous ai coupé. Mais je dis que la question de Viviane va intéresser tout le monde, et notamment la personne qui m'a dit, mais moi j'ai des phobies ou de l'agoraphobie ou de la claustrophobie, etc., etc. Voilà, allez-y, Viviane, finissez. Alors, Donc. bah, la plupart du temps, au bout de 5 à 10 minutes, je m'endors, mais
Parfait. Ça n'a aucune espèce d'importance. Si, si, c'est très important. Ça veut dire que vous lâchez bien prise et que la séance se passe. Mais, oui, oui. Moi, je suis très, très. Je suis très souple par rapport à ce genre de pratique. Et donc, un jour où je me suis réveillée exceptionnellement avant la fin, j'entends réorienter vers de nouvelles activités. Et je me dis, tiens, c'est étrange, qu'est-ce que ça a à voir avec les acouphènes ? Cependant, ce que j'ai noté et qui est absolument étonnant, c'est que j'avais un projet d'écriture qui était en stand-by depuis 3 ans et que d'un seul coup, j'ai eu une envie, mais irrépressible, de reprendre ce projet d'écriture. Et depuis une 8aine de jours, j'écris 3-4 heures par jour, alors que c'était bloqué depuis 3 ans. Donc, voilà. Eh ben, écoutez, Viviane. Quel est le lien entre mes acouphènes ? Alors, à tout le monde. Bon, normalement, ce soir, c'est pour débutants. Mais la question que me pose Viviane est une question où, si vraiment vous voulez, ce soir, je vais lui répondre et je vais répondre à tout le monde parce que ça peut peut-être vous toucher par rapport à ça, et notamment pour comprendre en quelque sorte comment sont conçus tous nos programmes où il y a des suggestions avec une prétention thérapeutique. Donc, je vais vous expliquer rapidement comment, parce que voilà, je ne peux pas y consacrer. En fait, pour vraiment vous expliquer, il faut une journée. C'est pour ça d'ailleurs que cette journée de formation existe. Je vous rappelle qu'on organise des journées de formation. Que vous soyez professionnel et que vous ayez envie d'utiliser le Casina en tant que professionnel, ou que vous soyez des utilisateurs avertis. Ici, il y en a ce soir d'ailleurs, ben, je crois que Corinne, elle a déjà fait la formation. Donc, elle fait déjà partie du club. Elle vient. Normalement, Corinne, c'est toi, c'est demain soir, mais c'est une gourmande, donc elle vient aux deux. C'est trop gentil, ça me touche beaucoup. J'organise, ça tient en une journée. Et là, je donne quelques bases vraiment un peu plus solides que ce que je vais développer ce soir pour comment comprendre le fonctionnement de l'inconscient et comment est-ce que l'on peut parler à l'inconscient en étant sûr de ne pas, enfin, ou plus exactement, d'avoir la meilleure réponse possible de notre inconscient. D'accord ? Et ça demande, bon, c'est une matinée, il faut une matinée pour vous expliquer ça. Et pourtant, je vous assure, ceux qui ont déjà fait la formation, je vous assure que c'est extrêmement vulgarisé, c'est extrêmement compact et concret, mais ça demande quand même une bonne matinée. Et après, dans l'après-midi, ben, on détaille les autres techniques du Casina, etc., etc. Alors, pour répondre à vos questions, à cette question-là, et qui va aussi dans le sens de ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à ben, « j'ai tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme ». Alors, cette partie-là, j'y répondrai après. Je vais d'abord répondre au fait que, tiens, j'utilise un programme, en plus, c'est un programme un peu expérimental, qui a comme prétention, en tout cas dans le titre commercial, enfin, il n'y a pas de titre commercial puisqu'il n'est pas vendu encore, mais disons que c'est un programme expérimental qui a comme objectif de toucher les personnes, d'agir normalement sur un symptôme qui, cette fois-ci, contrairement, et vous remarquerez maintenant que vous le savez, essayez de reprendre tous nos programmes et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, ils ont des titres extrêmement vagues. C'est rarement du genre « j'ai mal à la gorge »,« j'ai mal à la tête ». Non, c'est toujours « j'ai confiance en moi »,« estime de soi »,« retrouver son enfant intérieur »,« ouverture de conscience », etc., etc. Donc ça, excusez-moi de vous interrompre, Arménio. Oui. Mais contrairement aux anciens programmes qui étaient très spécifiques. Plus exactement, qui commercialement se disaient très spécifiques. Ouais. C'est-à-dire que n'oublions jamais une chose. Alors, d'abord, vous devez savoir qu'à l'époque, je n'étais pas maître de la situation. Je n'étais que co-auteur, je n'étais que participant à tout ça. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on est en procès, parce qu'il y a des problèmes de droit d'auteur, etc. Mais peu importe. Donc, je n'avais pas du tout la main. Donc, comme à l'époque, ce fournisseur avait un côté un petit peu business, eh bien, ce qui comptait, c'était le titre. Parce que, donc, il déclinait, en fait, tous les symptômes que vous pouvez imaginer, il y avait un titre qui parlait de ce symptôme. Alors, ça ne veut pas dire que c'était des titres qui n'étaient pas de qualité, attention. Mais ce que vous devez entendre, c'est que c'est impossible
déjà dans un cabinet d'hypnothérapeute. Je vous rappelle que j'ai consulté pendant pas mal de temps, donc je suis hypnothérapeute. Maintenant, je n'exerce plus, mais bon, j'ai encore quelques bons restes, si je puis me permettre. Déjà en cabinet, oser répondre à un patient en lui promettant de s'occuper d'un symptôme, il y a déjà quelque chose. Un thérapeute qui vous promet ça de façon directe, sans prendre des précautions, à mon avis, vous êtes chez un hypnotiseur et vous n'êtes pas chez un hypnothérapeute. Donc ça, c'est la première chose. Parce que il faut bien comprendre une chose. Ça, je pense que tout le monde, même sans avoir de grandes notions de ce que c'est l'inconscient, comprend bien qu'il y a une très grande différence entre ce que mon conscient, mon mental, mon ego souhaite pour moi ou a comme objectif pour moi. Ce ne sont pas forcément les objectifs réels que ma personne, mon être, qui est représenté surtout par mes bases inconscientes, par mon inconscient, a comme désir, a comme besoin. D'accord ? Par exemple, si y a des personnes, par exemple, moi, je veux, par exemple, perdre du poids, admettons. Donc, moi, consciemment, je me regarde dans la glace, je n'apprécie pas trop mon image corporelle. Puis je me dis, regardez-moi ça, là, vous avez vu ce truc-là, là ? Non, mais il faut que je perde ce truc, c'est quand même pas possible, c'est insupportable ce machin-là. Les filles ne m'aiment plus, tout ça, puis il me faut des cheveux. Donc moi, je veux un titre qui s'appelle « Faire repousser les cheveux et enlever le faux menton ». Voilà les deux titres que j'ai besoin, d'accord ? Bon, admettons, bon, eh bien, mon inconscient, lui, n'a pas du tout ces problèmes-là. Lui, il a d'abord comme objectif, premièrement, de me maintenir en vie et deuxièmement, m'aider le plus possible à respecter mon écologie interne, c'est-à-dire ne serait-ce que mon équilibre biologique. Vous savez, notre homéostasie, vous savez ce que c'est l'homéostasie, hein ? C'est tout le fonctionnement du corps pour garder un équilibre. Donc, l'inconscient est déjà garant de ça. Il est garant de mes valeurs. Et on peut dire, alors là, d'une façon quasi spirituelle, mais... Là, je reste encore dans la psychologie, que quelque part, il a une fonction de nous emmener, de nous aider à nous réaliser, à réaliser quelque part nos objectifs les plus… En tout cas, nos besoins, que ce soit nos besoins physiologiques ou les besoins de notre âme, en tout cas de notre être, comment dire, symbolique. D'accord ? Et le problème, c'est que notre conscient, par définition, justement, la plupart du temps, n'a strictement aucune idée quels sont les manques que j'ai en ce moment, quelles sont mes difficultés et quels sont mes véritables objectifs. Vous voyez ce que je veux dire ? Imaginons que j'ai un objectif dans la vie qui soit de gagner beaucoup d'argent, admettons, consciemment, j'ai tellement été programmé dans la société, dans l'éducation, etc. Imaginons, j'ai été programmé pour gagner de l'argent. Ça, c'est ce que mon mental, ma croyance, j'ai la croyance que c'est ça qui va me déterminer, qui va me rendre heureux, qui va me rendre prospère, qui va me rendre bien dans ma peau. Voilà. Mais ça se trouve, à l'intérieur de moi, mes valeurs, ce que je suis réellement. En fait, je suis un poète, je suis un artiste, je suis fait pour être un artiste, je ne suis pas fait pour être un entrepreneur, par exemple. Donc, je peux écouter toutes les suggestions du monde, disant à mon inconscient, gagne plus d'argent, abondance financière. Donc, quand vous entendez des gens qui vous font des conférences dans comment augmenter votre surface financière, oui, ça peut marcher si votre valeur argent est une valeur fondamentale. Mais si votre valeur numéro un, c'est l'équilibre, la beauté, la poésie, la douceur de vivre, etc., l'amour, la liberté, par exemple, ben là-dedans, je ne vois pas de valeur argent. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, toutes les suggestions qui vont parler d'argent, votre inconscient, ça ne lui parle pas du tout. Alors, pour en revenir à vous, Viviane, quand vous voulez parler de vos acouphènes, alors déjà, un acouphène ou un symptôme, parce que là, on commence à rentrer dans un symptôme, d'accord ? C'est un peu comme moi, par exemple, si j'étais dans l'idée de perdre du poids, par exemple. Donc, mon symptôme, c'est que j'ai pris un peu de poids, un peu ou beaucoup. Bien, donc ça, c'est mon symptôme. C'est ce que l'on voit, c'est ce qui apparaît, c'est ce que ma conscience est capable de gérer. Bien, mais en l'occurrence, pourquoi j'ai du surpoids ?
Alors moi, dans mon cas personnel, bah, admettons, après je vais venir à vous, Viviane, admettons que ce qui fait que je suis en surpoids, bah, c'est tout simplement parce qu'en ce moment, attendez, c'est une fiction, hein, mes amis, là. je fais comme si c'était moi, mais je ne vous dis pas que c'est moi. Hein, je fais comme si. Hein, je joue un peu l'acteur, hein, excusez-moi, parce que sinon, en ce moment, je n'ai pas ce genre de souci. Mais c'est pour vous donner un exemple. Et d'autant plus que c'est un exemple qui m'est arrivé dans le passé. Hein. À l'époque, je faisais 115 kilos. Je faisais un grave burn-out, une grave dépression. Vous m'avez déjà entendu en parler, j'imagine, dans mes conférences ou mes vidéos. Donc, je ne vais pas vous saouler avec ça. Mais bon, pourquoi je prenais du poids? Premièrement, parce que dans mon travail, je ne me réalisais pas, je travaillais tellement et j'arrivais pas. J'arrivais à mon niveau d'incompétence, j'étais dans un niveau de stress absolument démentiel. Plus je travaillais, plus j'avais l'impression que j'étais nul. Ça, c'est consciemment, je parle. Et à l'intérieur de moi, le besoin qui était, c'était un besoin de reconnaissance, un besoin d'amour. Et le besoin d'amour, par exemple, peut se traduire sur certaines personnes par le besoin de se relier à sa maman, par exemple. D'accord ? Or, qu'est-ce que c'est que la maman ? Les femmes, vous avez déjà eu, celles qui ont déjà eu des enfants, quand un bébé se met à pleurer, vous êtes sûr que vous savez toujours s'il a besoin, si c'est de l'angoisse, si c'est de la colère, ou si c'est tout simplement, je parle quand il est tout bébé, hein, ou si c'est tout simplement qu'il a faim. Le premier réflexe de la maman, quel que soit le souci de l'enfant, du bébé, c'est le prendre en général, soit de lui donner un biberon, soit de le mettre contre son sein, le serrer très fort et s'en occuper, le câliner, etc. Donc moi, si je me sens, on peut être... Donc mon inconscient va se former là-dessus. Il a compris qu'en cas d'angoisse, de stress, eh bien, je me retrouve en train de téter. Donc déjà, ma bouche, elle a du plaisir parce qu'elle est en contact avec la chair de ma maman, avec le sein de ma maman. En plus, je bois du bon lait bien chaud qui me remplit, qui va tendre mon petit ventre et qui va me faire me remplir de chaleur. Et automatiquement, ça va me calmer. D'accord ? Parce qu'en plus, ici, ça produit une hormone du plaisir et cette hormone du plaisir va nous calmer. Et donc, je commence déjà à être shooté. C'est presque une drogue déjà. Eh bien, 30 ans après, 40 ans après, je suis en stress, par exemple. Attention, j'ouvre une parenthèse. Je ne veux pas dire que tout le monde va fonctionner comme ça. Il y en a d'autres, quand ils vont avoir ce besoin-là, ils vont, par exemple, prendre une cigarette. D'autres vont avoir besoin peut-être de boire un coup. C'est comme ça qu'on peut devenir alcoolique. Mais bref, c'est un exemple. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, mal-être intérieur. Moi, dans ma tête, je ne vais pas m'analyser, je ne vais pas dire « Ah ben, j'ai besoin de me relier au sein de ma mère ». Je me dis, mais je ne suis pas bien, puis demain, il faut que j'aille travailler, puis là, il faut que je dorme. Donc, je suis en train de manger le soir, ben, je mange un peu trop. Parce que le fait de manger, ça me calme, ça me relie à ma maman, donc ça me donne un peu d'amour, ça me donne un peu de plaisir par rapport à la frustration de ma journée. En plus, ceux qui m'ont déjà entendu en parler, vous savez que dans une journée, on accumule énormément de poubelles émotionnelles parce qu'on ne fait pas toujours ce qu'on a envie de faire. Chaque fois que je vis une situation où je ne peux pas faire ce que j'ai envie de faire, eh bien, je mets en stock des surcharges émotionnelles ou des surstress, et il va falloir les évacuer. Si j'en ai trop, eh bien, cumulé à mon manque d'amour, cumulé à trop de stress, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Si mon sommeil ou mes séances casina, bon, si on a un casina, normalement, on n'a pas ce genre de souci, mais on n'a pas encore le casina ou le psio. Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, notre corps, soit parce qu'on est surchargé, soit parce qu'on n'est pas dans notre chemin de vie, soit parce qu'on ne fait pas ce qu'on a besoin, eh bien, à un moment donné, notre inconscient va nous balancer une alerte. Alors, l'alerte, moi, c'était des problèmes gastriques, c'était des problèmes de cœur et c'était des problèmes de dos. J'avais le dos, j'avais 4 hernies discales, j'étais dans un état, les médecins me disaient, si vous ne vous faites pas opérer, vous finirez en chaise roulante. Bon, ben, je ne me suis pas fait opérer, je suis en pleine forme, je n'ai pas de chaise roulante parce que, heureusement, le corps se reconstitue. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le titre du CD, enfin le titre de la séance Casina, qui viendrait dire mal au dos, ce serait très compliqué que le thérapeute qui fait ça puisse faire tout un travail pour aller chercher directement et dire à l'inconscient, « Ah, mais tu sais, Arminio, c'est pas le sein de ta mère que tu veux, c'est ton travail, patali, patin couffin. » Il n'en sait rien de comment l'inconscient interprète tout ça. Nous, ce qu'on voit,
Vous, Viviane, ce que vous voyez, c'est que vous avez des acouphènes. Moi, j'avais le dos bloqué, ou le cœur serré, ou le ventre gonflé, par exemple. Vous voyez, c'est des symptômes. Eh bien, ce symptôme, en fait, c'est un message de l'inconscient. Alors, dans votre cas, Viviane, au niveau des acouphènes, je suis allé à un congrès des ORL, et eux ont dit, ce n'est pas moi qui le dis, ils ont dit que 70% des acouphènes étaient d'origine émotionnelle ou amplifiée par l'état émotionnel. Ouais, ça, c'est eux qui le disent. Mais le problème, c'est que, par exemple, dans votre cas, Viviane, pour que, comme ça, vous compreniez ce que je veux dire. Donc, moi, dans mon cas, me priver de nourriture, par exemple, vous comprenez bien que ce n'est pas du tout le sujet. Prendre des piqûres pour régler mon mal de dos, vous avez compris que ce n'est pas le sujet. Le sujet, dans mon cas, c'était je travaillais trop, je n'étais pas à ma place, je ne réalisais pas mes besoins les plus profonds, je n'étais pas avec les bonnes personnes pour moi. Bref, j'étais en déséquilibre, à la fois au niveau de mon travail, au niveau de mon relationnel. Donc, je suis parti en vrille. Et donc, moins je voulais voir mes symptômes, plus mes symptômes prenaient de l'ampleur. Vous le comprenez, ça. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à les prendre en charge, je suis allé voir un thérapeute, etc. Mais bon, peu importe, je ne vais pas vous refaire tout le cheminement. À partir du moment où j'ai commencé à prendre en charge la chose, eh bien, ce n'est pas en m'occupant de mon mal de dos, ce n'est pas en m'occupant de ceci ou de cela, c'est en m'occupant de moi de façon beaucoup plus globale, c'est-à-dire retrouver un sommeil de qualité. Là, j'ai utilisé, à l'époque, ce n'était pas un casino, ça s'appelait un dreamer, mais peu importe. C'était bien avant encore le psio et tout ça, c'était bien avant, il y a 25 ans. Et j'ai un hypnothérapeute qui m'a aidé à comprendre où j'en étais dans mon chemin de vie, et qui m'a recadré sur certaines choses, qui m'a recadré sur la confiance en moi, non plus en me disant « Mais Arminio, vous n'êtes pas nul, vous n'êtes juste pas à votre place. » C'est-à-dire que là où vous êtes compétent, eh ben, vous ne travaillez pas, et là où vous n'êtes pas compétent, c'est là où vous avez le plus de travail. Ça ne peut pas le faire. Il va falloir faire des choix. Mais c'est facile à dire. Mais quand vous êtes embringué, j'avais 11 salariés, tu vas expliquer à ta salariée, ben mes gars, je ne suis pas à ma place, salut les gars, bye bye. Ça ne marche pas comme ça. Bien. Donc, mon inconscient a fini par exprimer les choses d'une certaine façon. Vous, Viviane, imaginons Viviane, mais là, je vous parle d'un cas particulier, mais vous transposez pour n'importe quel autre type de symptôme. Imaginons Viviane, imaginons que vous soyez dans le cas qu'ont dit les gens de l'URL, là, qui ont des ORL, qui disent que 70% des acouphènes sont d'origine émotionnelle. Je ne dis pas que c'est le cas. Ça ne se trouve pas du tout. Ça se trouve. J'en suis convaincu de ça. Hein. Ah bon, alors si vous en êtes. Mais ce n'est pas parce que vous en êtes convaincu que c'est la réalité. Peut-être que ce n'est pas ça. Peut-être que ça n'a rien à voir avec l'émotionnel. Et même si 70% c'est pour ça que tous ceux qui m'entendent ce soir, là. Et même quand je cherche à donner un symbole par rapport à un symptôme, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça. Ça veut dire que ça peut être comme ça. On peut l'expliquer peut-être comme ça, mais croire que c'est toujours AX plus B, ça, c'est ne rien comprendre à l'être humain. On est bien d'accord. Ce qui est sûr, Viviane, c'est que, de mon point de vue, mais encore une fois, je vous invite à ce que ça vous fasse écho. Si ça ne fait pas écho, il ne faut pas m'écouter. Mais de mon point de vue, un être humain, c'est quasiment parfait. Donc, quand un symptôme arrive, il n'arrive pas par hasard. Il a toujours un sens. Et on n'a pas toujours besoin de comprendre le sens. On a surtout besoin d'entendre qu'il y a quelque chose qui, en nous, n'est pas en place. Et on n'est pas toujours obligé de savoir qu'est-ce qui n'est pas en place pour le guérir. Prenons votre exemple, Viviane. Je vous fais une fiction, et je ne dis pas que c'est comme ça, mais ça pourrait être comme ça. Imaginons qu'à l'intérieur de vous, compte tenu peut-être du fait qu'arrivé un moment de votre vie, plein de choses vont bien dans votre vie, mais que par contre, il y a un besoin existentiel, fondamental, incontournable, qui n'est pas satisfait en vous, ou une de vos valeurs essentielles qui n'est pas satisfaite. Par exemple, imaginons que votre valeur numéro un, ce soit la valeur liberté, et que vous ayez un travail de comptable enfermé dans un bureau 24/24. Vous comprenez bien qu'il va y avoir un petit problème à un moment donné. Eh bien, peut-être que vous, il y avait quelque chose en vous qui n'est pas satisfait.
mais vous n'en savez rien. Votre conscient, lui, quand il analyse la situation, bah, vous vous dites, bah, je ne comprends pas, j'ai des enfants, j'ai un mari génial, j'ai un boulot formidable, tout va bien dans ma vie. Mais ce n'est pas logique. Et non, ce n'est pas logique. Parce que si c'était logique, il n'y aurait pas besoin d'un symptôme pour que vous puissiez l'entendre. Vous voyez ce que je veux dire, Viviane ? Si c'était simple, si c'était simple de se comprendre, notre inconscient n'aurait pas besoin d'exprimer par des mots M-A-U-X ce qu'il ne peut dire avec des mots M-O-T-S. On est bien d'accord. Donc, admettons que votre besoin d'écrire soit un besoin fondamental, existentiel. Ce besoin n'est pas satisfait. Vous ne vous en occupez pas du tout. À un moment donné, votre inconscient commence à dire, bon, ça commence à faire. Maintenant, ça ne va plus, là. Elle ne veut pas entendre que c'est ça qu'elle doit faire. Elle ne veut pas l'entendre. Ben, je vais peut-être lui donner un moyen d'entendre. Et peut-être que vous aviez un début d'acouphène ou une fragilité de ce côté-là. Et ben, votre inconscient va amplifier le truc et vous allez déclencher des acouphènes. Et ces acouphènes… C'est très cohérent tout ça. C'est très, très cohérent. Et je crois qu'on va se donner rendez-vous dans quelques temps. Mais absolument. Ce que j'écris et je vous dirai si j'ai encore des acouphènes. Non, mais ce qui est intéressant là-dedans, ce que je veux que vous entendiez, que tout le monde entende, c'est le fait que, parce qu'après je vous raconterai une autre histoire, c'est le fait que Viviane s'occupe, prend un programme pour s'occuper de ses acouphènes, et en réalité ça ne gère absolument pas les acouphènes, mais ça lui fait faire autre chose, c'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec les acouphènes. Elle n'a pas acheté un nouveau casque pour se protéger les oreilles, elle n'est pas allée chercher pas des nouvelles gouttes, rien, non, c'est pas ça qu'elle a eu envie de faire. Elle a eu envie, à force d'écouter le titre, de reprendre une activité auquel elle rêvait ou auquel elle songeait, mais pour des raisons qui vous appartiennent, elle n'avait pas l'énergie de s'y mettre. Et tout d'un coup, c'est bizarre, hein, elle écoute un truc qui parle d'acouphène et là-dedans, pourquoi on parle de reprendre une activité, j'en sais rien. Je ne peux pas vous dire ça. En réalité, c'est ce que vous avez entendu. Je ne sais même pas si c'est dedans, au sens littéral. Mais je pense que c'est vraiment le mot, hein, réorienter vers de nouvelles activités. Si, parce que je l'avais vite noté, pour ne pas l'oublier. Je sais que ça y est, mais je voulais pour tout le monde que vous imaginiez même le cas où ça n'y est pas. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que votre inconscient va prendre dans tous les messages symboliques, et ça, c'est quelque chose que je vous explique très longuement en formation, c'est que notre inconscient est d'abord et avant tout symbolique. Il fonctionne que par image. Oui. Donc, il fonctionne par des symboles. Et le problème, c'est que, bien sûr, tous les inconscients humains fonctionnent avec des symboles qui sont proches les uns des autres. Mais le problème entre votre symbolique à vous, Viviane, de votre inconscient, celle d'Isa, celle de Vincent, celle de Catherine, la mienne, ça n'a rien à voir. Et donc, les suggestions que nous proposons dans nos séances, ce sont toujours des histoires symboliques, des métaphores, de telle sorte que chacun d'entre vous, en écoutant ces métaphores, votre inconscient ne va pas du tout percevoir le même message. On met 200 personnes, on fait écouter, on l'a fait hein, comme expérience, hein. On a fait 50 personnes, écouter la même séance, on demande aux gens d'écrire derrière ce qu'ils ont entendu, je vous promets, ça n'a rien à voir, on a l'impression que ce n'est pas le même titre. Premièrement. Deuxièmement, vous avez des personnes, ça m'est arrivé plusieurs fois, des personnes, et une fois ça a failli faire un conflit, je vous promets, hein. La personne ne me croyait pas, la personne est venue sur mon stand, et à l'époque où je faisais des salons, et sur le stand, je lui ai fait écouter la séance « J'ai confiance en moi ». Bien, la personne a adoré, elle est partie avec le casino, elle arrive chez elle, 3 jours après, elle m'appelle en me disant « Je ne comprends pas, je ne trouve pas la séance que nous avons faite sur le salon ». Je dis « Mais madame, on a fait celle-là, c'est la seule que j'ai… » Parce que pourquoi je suis sûr que c'est celle-là? C'est parce que dans mes casinos sur le salon, il n'y avait que celle-là. Il y en avait 2 autres, mais c'est des séances totalement différentes. Il n'y avait pas d'erreur possible. Eh bien, la personne a tellement fait une expérience différente dans l'écoute qu'elle a eue sur le stand, de l'écoute qu'elle a eue chez elle, tellement il y avait déjà eu des choses qui s'étaient réorientées, qu'elle ne me croyait pas que c'était la même séance. Vous voyez ? Donc, des fois, ce n'est même pas en interpersonnel. C'est des fois, rien que soi-même, vous réécoutez une séance que vous avez écoutée il y a 6 mois, et vous vous dites, mais c'est marrant, mais pourquoi je n'écoutais pas cette séance-là? La première fois que je l'écoutais, elle ne me plaisait pas du tout, ça n'allait pas, elle ne me plaisait pas. Et tout d'un coup, vous l'écoutez
Et sans comprendre pourquoi, vous devenez accro à cette séance-là, et là, vous avez envie de la réécouter, de la réécouter, de la réécouter, sans comprendre pourquoi. Et d'ailleurs, je vous invite à ne pas chercher pourquoi. On s'en fout. L'important, c'est d'entendre que votre inconscient, là-dedans, trouve quelque chose. Je ne sais pas quoi. Mais si ça lui fait, si ça vous donne ce petit besoin d'y retourner, ou éventuellement une répulsion, c'est-à-dire, voilà, à la fin de la séance, vous êtes un peu... voyez ce que je veux dire ? Je l'écoute avec plaisir, hein, toujours. Hein. Tant mieux ! Mais peut-être que... Mais Viviane, explorez tous nos autres programmes, parce que ça se trouve, c'est le programme qui va s'appeler Estime de soi, qui va gérer définitivement vos acouphènes. Parce que là, grâce à ce programme-là, vous avez repris une activité. Peut-être que ça fait partie du lot, mais peut-être qu'il y a encore un autre blocage quelque part. Je ne sais pas lequel. Et je ne sais pas s'il y en a un. Mais vous pouvez partir du principe, tant qu'il vous reste vos acouphènes, ce qui ne vous empêche pas, on est bien d'accord, Viviane, éventuellement de continuer à consulter des médecins pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas. On est bien d'accord. Vous savez que je dois le dire. Viviane, nous sommes dans une séance publique. Je suis obligé de dire ce que je suis en train de dire. Je précise pour tout le monde, je ne suis pas médecin. Ouais. Je vous rappelle que pour tout ce qui est conseil de santé, vous consultez un médecin. Et bien d'accord. Je suis en train de vous donner des conseils de gestion des émotions, de gestion du stress, de gestion de votre psychisme, etc. Et ça n'empêche en rien de consulter un professionnel de santé. Bon, maintenant que j'ai dit ça, on peut revenir aux choses sérieuses. Donc, mais en plus, c'est vrai. Non seulement je le dis parce qu'il faut le dire au niveau juridique, mais je le pense sincèrement. Je pense que tout symptôme a toujours trois composantes, minimum, si ce n'est pas plus, une composante émotionnelle, une composante physiologique et aussi une composante qu'on pourrait dire symbolique, spirituelle. Et que d'autres, certains appellent ça une composante énergétique. Vous voyez ? Donc, énergie, psychisme et physiologie. Ces choses-là sont imbriquées de façon tellement liée les unes aux autres que prétendre, comme certains, d'ailleurs médecins, osent croire qu'il suffit d'agir sur la physiologie pour s'occuper d'une personne, là, ce n'est pas du tout ma vision du monde. Moi, ma vision du monde, c'est qu'il faut s'occuper de tout en même temps. Et c'est pour ça que je me permets quand même de ne pas hésiter à vous faire quand même surveiller. Parce que ce n'est pas parce qu'une maladie ou un symptôme est provoqué ou amplifié par... notre composante émotionnelle qu'il ne faut pas s'en occuper au niveau physiologique et parfois s'en occuper en urgence par de la médecine. Vous voyez bien ce que je veux dire ? On est bien d'accord ? Donc, c'est ça l'idée. Donc, vous, Viviane, maintenant, prenons le côté idéal des choses. Vous reprenez votre écriture. Vous commencez à y trouver du plaisir. Vous vous réalisez en faisant ça. Un jour, sans même vous en rendre compte, vos acouphènes ont quasiment disparu. Faites de votre mieux pour les entendre le plus possible, mais pour ne plus les écouter. C'est-à-dire, entendre, ça veut dire que vos acouphènes sont toujours le signe, si, on est bien d'accord, si on est dans le cadre des 70%, on est bien d'accord, hein, si on est bien dans le cadre que j'ai posé tout à l'heure. Si on est dans ce cadre-là, eh bien, tant qu'ils sont là, entendez-les au sens, respectez votre inconscient. Ouais. S'ils vous laissent vivre ce symptôme, c'est que pour le moment, il y a peut-être encore des choses qui n'ont pas été gérées. Première possibilité. Ouais. Deuxième possibilité, Viviane, et ça, je dis ça pour tous les symptômes. C'est une chose qui n'est pas facile à expliquer. C'est que l'énergie qu'il faut mettre en œuvre pour déclencher un symptôme n'est pas du tout de même nature et de la même quantité d'énergie qu'il faut pour guérir le symptôme. C'est-à-dire qu'un petit déséquilibre intérieur peut provoquer un gros symptôme et qu'ensuite, pour guérir le symptôme, non seulement il faut guérir le déséquilibre intérieur, mais il faut mettre en œuvre une énergie incroyable qui n'a rien à voir avec le petit déséquilibre qui a provoqué la chose. Est-ce que vous me suivez ? Oui, oui. Alors, je vous donne une métaphore, parce que vous voyez, les métaphores souvent permettent de comprendre les choses. Imaginez un funambule dans un cirque. Vous voyez un funambule, il y a un fil. Et il se balade avec sa perche là, et il se balade en vélo sur le fil, avec sa perche pour s'équilibrer. Imaginez qu'il y ait un corbeau qui pèse 1 kilo, qui vienne se mettre très violemment au bout de sa perche. Qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut tomber. 1 kilo. L'énergie qu'il a fallu pour le faire tomber, c'est 1 kilo. Par contre, une fois qu'il est par terre dans le filet,
Il faut qu'il descende du filet, qu'il remonte au poteau, qu'il fasse remonter le vilot, qu'il fasse remonter la perche. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. Alors qu'au départ, ce qu'il a fait tomber, c'est juste un corbeau de 1 kg. Mmh. Eh bien, dans notre psychisme, parfois, ce qui arrive, c'est que nous avons accumulé tellement de choses qu'il arrive parfois une petite chose qui déséquilibre le système, qui va provoquer des symptômes. Et certaines personnes qui font de la psychologie sauvage vont vous dire « Ah ben, règle le problème, ça va régler ton symptôme. » Attendez, pas si simple. C'est vrai, mais pas de façon aussi linéaire. Est-ce que je suis clair? Donc, ça se trouve, vous avez trouvé la solution et ça ne va pas forcément vous supprimer vos acouphènes parce que maintenant qu'ils sont partis, ce n'est pas forcément évident de les arrêter. Ou au contraire, vous allez, et ça, c'est ce que je vous conseille le plus possible, c'est de faire avec, c'est-à-dire partir du principe qu'ils ne partiront pas. C'est-à-dire non pas être dans l'idée, bon, ben, ça ne partira pas, mais soyez dans l'acceptation du truc en disant, bon, ben, écoute, voilà comment je parlerai à mon inconscient, à moi. Je lui dirais, écoute, je comprends rien à tes histoires, j'y comprends rien pourquoi tu me laisses vivre ça, j'y comprends rien. Mais je sais que si tu ne peux pas faire autrement, c'est que je sais que tu fais de ton mieux. Donc, bah, ok, bah, fais de ton mieux, aide-moi, j'y comprends rien. Si je dois prendre des nouvelles orientations, bah, dis-le-moi, dites-moi, donne-moi des signes. Mais là, moi, je suis perdu, j'y comprends rien. Tu vois bien, je fais des séances, je prends soin de moi, je mange mieux, j'essaye de me débarrasser de tout ce qui me pollue. Voilà, je prends soin de nous, mais je ne comprends pas tout. Aide-moi. Eh bien, rien que cette attitude-là, vous voyez, Viviane, en plus de tout ce que vous faites, c'est une attitude qui entend l'inconscient. Elle ne comprend pas, j'y comprends rien, entre guillemets, mais j'entends qu'il prend soin de moi, en réalité. D'accord. Et, voyez, et si vous entendez vos symptômes, non plus comme « je ne vais pas bien, je dysfonctionne, mon truc c'est n'importe quoi, mon corps c'est n'importe quoi, il est à côté de ses pompes », là, vous faites, pour moi, hein, ça c'est Herménio qui parle, pour moi c'est une erreur magistrale. Pour moi, dans mon monde, l'inconscient ne se trompe jamais. Il a toujours la solution parfaite, mais en fonction de vos savoir-faire, en fonction de votre écologie interne, en fonction de vos valeurs, en fonction de votre chemin de vie, lui, il sait, il ne se trompe jamais. La seule chose qui se trompe parfois, c'est notre mental, c'est notre ego qui veut nous faire faire parfois des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. On le sait. Voilà. Et parce que, bah, mais c'est respectable. Notre ego, il est là aussi pour ça. Mais l'objectif, c'est justement de laisser d'avoir suffisamment de souplesse au niveau du mental pour accueillir les éventuels dysfonctionnements apparents de l'inconscient et commencer à faire avec en se disant « Ok, s'il m'arrive un symptôme, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui ne va pas bien. » Et alors, ça me permet du coup d'élargir sur quel programme j'utilise. Eh bien, justement, ce qu'il faut bien comprendre, Viviane, et puis pour tous les autres, hein, là, je parle à Viviane, mais il va de soi que je parle à tout le monde, et puis j'espère que ça intéresse d'autres personnes, que pas que Viviane. L'idée là-dedans, c'est de sortir de l'idéologie dominante, qui est de moins en moins dominante, mais encore, qui est de l'allopathie, de la médecine allopathique, qui, l'industrie pharmaceutique, elle se dit, bon, il y a un symptôme, il y a du business à faire, on va faire un médicament pour ce truc-là. Et comme on est passé de Pasteur, lui, à l'époque, eh ben, il a trouvé des antibiotiques, donc tu tues la bactérie, après, il n'y a plus de maladie. Sauf que des fois, tu tues la bactérie qui est responsable de ta difficulté, mais parfois, tu tues aussi tes bactéries qui sont dans ton intestin, et du coup, après, tu chopes des cochonneries parce que justement, tu as tué les bactéries, tu as tué toutes les bactéries, y compris celles qui te protégeaient. Bon, enfin, ça, c'est un autre débat. Mais quand même, on nous a formatés pour dire, j'ai des acouphènes, il me faut un titre sur les acouphènes ou un médicament où c'est marqué dessus acouphènes. J'ai une grippe, j'ai mal à la gorge, je veux un médicament pour la gorge. J'ai mal au ventre, je veux un médicament pour le ventre, etc. Ici, ce que je vous propose comme démarche, c'est une démarche holistique et avoir une démarche un peu comme on fait dans la naturopathie, c'est-à-dire s'occuper du terrain. L'idée, c'est
Bon, ok, ça s'exprime en acouphène, ça s'exprime en mal de dos, ça s'exprime en agoraphobie, ça s'exprime de plein de façons. Mon déséquilibre, je ne le comprends pas forcément. Je vais prendre soin de moi. Eh bien, pour prendre soin de vous, sur quoi on doit agir? Premièrement, ce n'est pas ce soir que je vais vous attendez pas de moi, je pense que je vous explique ce que c'est qu'un bon équilibre de vie, une bonne hygiène de vie. Donc ça, on va l'évacuer. Mais par contre, parfois, même avec une bonne hygiène de vie, on peut quand même avoir un sommeil de pas forcément très bonne qualité parce que ce soit depuis des années ou depuis quelques temps, je peux avoir accumulé tellement de surcharges émotionnelles, tellement de poubelles émotionnelles, que même si au niveau de mon chemin de vie, tout va bien, eh bien, je suis quand même trop saturé. Et là, le Casina va vraiment vous aider parce que je vous rappelle que son premier travail, ce qui est absolument essentiel, exclusif, aucun autre outil thérapeutique aujourd'hui, j'insiste là-dessus, ne permet de libérer le cerveau d'un être humain d'une pollution émotionnelle. Alors, il y a des techniques en cabinet qu'on appelle par exemple le MDR, mais en dehors de cela, il n'y a aucune autre solution. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas un Casina, sa seule solution pour se réparer le cerveau, le mental, et se débarrasser de ses poubelles émotionnelles, c'est d'utiliser un Casina ou de dormir. Dormir, 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 dormir. Le problème, c'est que parfois, quand j'ai trop d'accumulation ou trop de difficultés, ben je perds justement le sommeil. Et là, c'est là où ça devient gravissime, c'est quand justement on perd la seule chose qui est la plus thérapeutique en nous. C'est-à-dire que si vous n'avez plus de sommeil pour vous réparer, là, vous êtes en très, très grand danger. Vraiment. C'est le symptôme le plus grave qui existe, c'est la perte de sommeil. Attention, quand je dis perte de sommeil, ça ne veut pas dire… Attention, il y a des personnes qui, en 3 heures, dorment l'équivalent de certaines en 8 heures. Donc, ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Et pour juger si on dort bien, eh bien, le lendemain matin, une heure après le lever d'une journée normale, essayez de vous ressentir et demandez-vous, est-ce que je suis dans l'entrain, est-ce que tout va bien ou est-ce que je me sens, est-ce que j'ai besoin de boire 4 cafés, est-ce que j'ai pas envie d'y aller, est-ce que dans la journée j'ai tendance à être fatigué en permanence. Bon, ben là, que vous ayez dormi 7, 8 heures ou 9 heures, si même avec 9 heures de sommeil, dans la journée vous êtes fatigué, c'est soit que vraiment vous n'êtes pas à votre place du tout, soit c'est que vraiment vous avez accumulé et que votre sommeil n'est pas de qualité. Là, c'est une cure de Casina. Cure de Casina. Ce que j'appelle une cure de Casina, c'est une vingtaine de jours minimum. Je m'endors avec mon Casina tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, quelle que soit l'heure où je me couche, avec un programme obligatoirement guidé, pas un programme non guidé, on va en parler après, parce que j'ai une question là-dessus. Donc, dans cette logique thérapeutique, là, on est bien dans une logique thérapeutique, j'utilise, si possible, des programmes guidés. Et parmi tous ceux que vous avez à votre disposition, ne choisissez pas, par exemple, vous, Viviane, ne restez pas sur les acouphènes. Faites-le, gardez-le, par exemple, dans votre mix, mais dans votre rituel, rajoutez peut-être deux autres, explorez-en d'autres, voir si éventuellement, en écoutant, je dis n'importe quoi, j'ai confiance en moi, ou en écoutant, par exemple, peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin de confiance en vous pour aller de l'avant dans votre projet, voyez, par exemple. Ou estime de vous-même, le programme estime de soi, ou le programme soigner son passé, etc. Peu importe le titre, explorez un peu ce que vous avez déjà, explorez-les. Ce que j'appelle explorer, c'est-à-dire faites une séance de chaque et regardez comment vous réagissez. D'accord ? Et dans ce que vous avez, choisissez-en un, deux ou trois et là, mettez-les en boucle et tournez dessus pendant une vingtaine de jours, peut-être plus si besoin. D'accord. Et c'est ça que j'appelle faire un protocole. Et donc, quel que soit le symptôme que vous avez, on est d'accord que ça, c'est la preuve d'un déséquilibre. Donc, pour rétablir votre équilibre, faites ce que vous pouvez au niveau physiologique, de bien manger, de bien boire, etc. Donc, voilà. Et en ce qui concerne mes conseils à moi, faites une cure de Casina à fond les gamelles. D'accord. Alors, quand je dis tous les soirs, il ne faut pas être intégriste. Hein, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'utiliser suffisamment le Casina jusqu'à ce que vous retrouviez un sommeil parfait.
C'est vraiment que le lendemain, quand vous vous réveillez, vous êtes dans l'enthousiasme, vous avez envie d'y aller, vous avez du... Là, quand vous levez le matin et que ça, et qu'une heure après, vous avez la banane, excusez-moi l'expression, bah c'est que ça va, quoi. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Ça veut dire que, globalement, il n'y a personne qui peut dire je vais bien à 100%. Ce qui compte, c'est... S'il fallait du 100%, on n'aurait aucun président de la République. Hein. Personne ne serait élu. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, à un moment donné, c'est une majorité. Moi, globalement, ça va bien. J'ai la banane, ça va bien. Bon, ben, je peux peut-être espacer à ce moment-là l'utilisation de mon casino, sauf si j'y prends plaisir et autant continuer. Et puis, éventuellement, quand je commence à en arriver là, je vous rappelle également qu'il existe d'autres types de programmes dans le casino que les programmes non guidés. Alors, avant que j'aborde ça, je voudrais vérifier que par rapport à... Parce que là, je vous ai fait un... Oh là là, je suis resté presque une heure à vous parler de ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Parce que l'air de rien, j'ai pris du temps, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est important, je pense. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ou des... par rapport à ça? Non? C'est clair pour tout le monde? Je vous rappelle, ceux qui veulent parler, prenez la parole. Il faut cliquer en bas à gauche sur votre micro parce que vos micros sont coupés, je vous le rappelle. Non? Tout va bien? Je continue? Non? Pas de questions? Oui, Yvette, bah, cliquez en bas à gauche et allez-y, exprimez-vous, Yvette. Voilà, allez-y. Bonsoir à tous. Bonsoir, Yvette. Un véritable plaisir de vous entendre. Ah, merci. Voilà, j'ai... acquis le casino en fin d'année, là, en décembre. Donc, un beau cadeau de Noël que je me suis fait. Ah oui, ça, c'est un beau cadeau, oui. Voilà. Et par contre, la difficulté, c'est pour la luminosité. C'est-à-dire, même si je règle le niveau le plus bas, ça, la lumière me gêne. Et j'ai comme... je ressens une fatigue oculaire. Et comme si ça pulsait. Et je n'arrive pas à trouver d'abord quel programme. Pourtant, je les ai tous essayés. Yvette, pour vous, là, quand vous en êtes là, est-ce que ça vous est déjà arrivé, malgré ce que vous me dites au niveau de la lumière, est-ce que ça vous est déjà arrivé, parce que c'est normal, hein, c'est normal, je reviendrai là-dessus. Donc, ça, c'est quelque chose. Alors, normal, non, c'est pas le bon mot, c'est tout à fait classique. C'est classique. Si vous écoutez les enregistrements de ces soirées, de celles qui sont encore sur YouTube, parce que toutes ces soirées sont enregistrées, sont accessibles, vous pouvez aller écouter toutes les autres soirées. Vous verrez que c'est un truc qui revient de façon assez récurrente. Mmh. Mais bon, avant de répondre à ça, ce que je voudrais savoir, est-ce que en utilisant un programme, d'abord, est-ce que vous utilisez les programmes guidés ou des programmes non guidés? Je les ai tous essayés et j'utilise un programme guidé, oui. Mmh. Très bien. Alors, est-ce que vous avez déjà fait l'expérience, une fois, deux fois ou trois fois, de perdre le fil de ce qui se passe pendant la séance? Très difficilement. Très difficilement. Ben voilà. Donc, c'est... pas lâché. Bien. Et ben, c'est là qu'est le sujet. En fait, pour l'instant, vous n'êtes pas initié, Yvette. Ce que nous, on appelle initié, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore fait cette expérience. Et après, j'expliquerai pourquoi on a besoin de faire cette expérience. C'est fondamental. Pour l'instant, vous n'avez pas encore fait l'expérience de lâcher prise du mental. Ah oui. Alors, vous allez me dire, mais attendez, Arminio, pourquoi vous m'embêtez avec ça? Jusqu'ici, j'ai déjà fait des tas de méditations, on ne me demandait pas de lâcher prise. Il y a des tas de relaxations qui ne font pas lâcher prise, c'est très agréable, ça me relaxe. Et là, vous, au lieu de me relaxer, vous m'agacez. Oui. C'est ça ou pas? Oui, vous me stimulez, du coup. Et du coup, ça vous agace, voire ça vous agresse. Ça me gêne, ça m'agresse. Voilà. On est bien d'accord. Surtout la lumière. Alors maintenant, pourquoi on fait ça? Alors, bon, déjà vous dire qu'il y a des séances dans le casino qui ne sont pas faites pour ça. Il y a des séances que vous pouvez utiliser qui ne font pas lâcher prise. Donc, voilà, donc on y reviendra. Mais moi, je vous conseille vraiment de, une fois que vous allez comprendre, d'abord comprendre pourquoi c'est comme ça, et deuxièmement, comprendre l'intérêt. Alors déjà, vous expliquez l'intérêt d'apprendre à lâcher le mental. Tout à l'heure, vous m'avez entendu dire, et vous m'avez peut-être trouvé présomptueux, mais vraiment, là, c'est la base de la base. Je vous ai dit, une des exclusivités du casino, c'est de permettre de libérer le cerveau. Quand je dis le cerveau, c'est aussi notre corps, parce que ça libère aussi les mémoires cellulaires, de nous libérer de nos poubelles émotionnelles.
le casinat ne fait pas que ça, mais ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Or, pour faire ce truc-là, on a besoin de trois choses, Yvette. Trois choses. La première chose, c'est que notre cerveau, je dis notre cerveau parce que c'est plus simple, on va dire notre inconscient, si vous voulez, ne peut se nettoyer tant que notre mental, tant que notre esprit cartésien est actif. C'est bien pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que le sommeil, c'est le moment où on se répare le plus dans notre vie. C'est ce que je vous ai dit. Et ben, il va de soi que pourquoi on se répare pendant qu'on dort? Parce que précisément, notre mental n'est plus là. Donc, la première chose pour que notre esprit et notre corps se nettoient de nos poubelles émotionnelles, de nos traumas, de nos trucs, etc., il faut impérativement que le mental soit à l'arrêt. Or, jusqu'à présent, le seul moment où on arrêtait le mental, ben, c'était pendant le sommeil. D'accord? Eh oui. Ben, sauf qu'avec un casinat, vous pouvez apprendre à lâcher le mental sans sommeil. Encore que souvent, quand on lâche le mental, souvent dans la foulée, on s'endort. Mais on peut lâcher le mental sans dormir. Donc ça, c'est la première chose. Pour vous apprendre à lâcher le mental, ça peut être difficile. Et j'ai même vu des personnes qui en ont bavé pour y arriver. Donc peut-être que ça peut être difficile, mais c'est fondamental. Parce que c'est la seule chose, si vous voulez, les deux autres choses, c'est-à-dire ce qu'on appelle synchronisation des hémisphères, donc ça c'est la deuxième chose, et les micro-mouvements oculaires, eh bien ça le casinat le fait automatiquement. D'accord ? Donc il n'y a quasiment pas besoin d'apprendre. Par contre, accepter l'idée de lâcher le mental, waouh ! Parfois, ça peut être très dur et ça peut être extrêmement agressif. Alors, ce qu'il faut faire, Yvette, c'est la chose suivante. D'abord, comprendre pourquoi vous avez du mal. Il faut toujours entendre que toute caractéristique qui nous semble a priori négative a toujours un pendant positif. Et quand vous avez quelque chose de très positif, il y a toujours un pendant négatif. Et donc, le côté positif de ce que vous vivez, Yvette, c'est-à-dire d'avoir un esprit extrêmement fort et puissant, j'imagine que dans votre vie, vous avez dû développer certaines qualités qui vous ont fait réussir dans certains domaines, précisément parce que vous aviez cette capacité à ne pas lâcher le morceau avec un esprit clair, net, concentré, droit et extrêmement, comment dirais-je, extrêmement puissant. Persévérant, etc. Ce sont des grandes qualités, vous êtes bien d'accord avec moi. Je dis ça pour tout le monde. Mais à 180 degrés, une qualité, c'est un grave défaut. Parce que, mais je pense que vous n'aviez pas envie d'être une mollassonne qui, dans votre vie, vous êtes bien contente d'avoir un esprit fort. Oui ou non? Oui, mais je vais le lâcher maintenant. Maintenant, pour faire certaines choses, bah oui, il nous freine un peu. Donc, alors, ce qu'il faut arriver à faire, Yvette, c'est donc, en fait, c'est une qualité. La puissance de votre esprit, la puissance de votre mental, il faut d'abord entendre, et je dis ça pour tout le monde, c'est d'abord une super belle qualité. Là où ça devient un défaut, c'est quand elle vous empêche d'arriver à la maîtrise. Quelle est la différence entre la maîtrise et le contrôle? D'accord? Le problème d'Yvette, c'est qu'elle, pour l'instant, compte tenu de ses qualités, elle développe un contrôle trop important. Son esprit cartésien ne veut pas lâcher le contrôle pour passer à la maîtrise. C'est quoi la différence? La différence entre maîtrise et contrôle, c'est que le contrôle, je ne peux pas m'empêcher de contrôler. Alors que la maîtrise, c'est arriver à un stade où il y a des moments dans votre vie où vous allez connecter votre contrôle au maximum de ce qui est possible, et à d'autres moments, vous serez capable de le déconnecter, non seulement et de laisser les choses se faire. Chose qui va être très difficile pour vous, Yvette, de laisser les choses se faire. Vous êtes certainement quelqu'un qui veut toujours avoir la prise et veut toujours contrôler les choses. Ce qui est tout à fait sain d'un certain point de vue, on est bien d'accord. Et bien, c'est là où ça va se jouer. Donc, ce que je vous propose, c'est d'apprendre. Et au passage, ça va vous libérer de plein de choses. Après, ça va vous permettre aussi de vous relaxer sur commande, de vivre beaucoup de plaisir également. Mais pour l'instant, votre esprit, qu'est-ce qu'il dit quand vous lui présentez ce truc-là? Ce qui se passe, c'est que votre esprit sent très bien que le casinat veut faire arrêter votre mental. Il le sent tout de suite. Et comme c'est votre force, le contrôle, il dit non, il ne veut pas de cette histoire. Pas question. Il n'en veut pas du casinat, votre esprit.
Voilà. Lui, il vous dit, t'as fait une connerie, t'aurais pas dû l'acheter, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon. Et a priori, comme ça, il aurait raison. En fait, non. Alors, ce que vous allez faire, Yvette, c'est que vous allez, d'abord, vous allez prendre des séances qui vont très bien pour ça. Je vous en donne deux, mais si c'est une autre qui vous plaît, prenez-en une autre. Mais je vous invite vraiment à utiliser la séance « J'ai confiance en moi » ou la séance « Connexion ». La séance « J'ai confiance en moi », c'est celle qui est en premier dans le chapitre « Hypnose »,« Auto-hypnose ». Et « Connexion », c'est « AR Connexion », elle se trouve dans le chapitre « Méditation ». Et ce que je vous invite à faire, Yvette, c'est pour vous initier, et je dis ça pour toutes les personnes qui n'ont pas encore réussi, je vous invite à utiliser le Casina. Alors déjà, vous ne l'utilisez pas pour le moment, bien que ce soit le meilleur moment, au moment du sommeil. En tout cas, pas le soir. D'accord ? Parce que pour l'instant, si vous ratez une séance, ça peut vous faire perdre 2 ou 3 heures de sommeil. Donc, c'est niette. Donc, ce que vous allez faire, Yvette, tant que vous n'êtes pas initié, c'est-à-dire tant que vous n'allez pas faire l'expérience une fois, deux fois, trois fois, de perdre le fil et de lâcher le mental et de vous relaxer, ce que vous allez faire, c'est que quand vous pouvez, bon là, je ne sais pas si, je ne sais pas quelles sont vos activités, est-ce qu'il vous est possible, peut-être au moins le week-end, de faire une sieste après manger ? Oui, oui. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous mangez, et en plus, si c'est un repas bien copieux, bien comme il faut, c'est encore mieux. Et juste après manger, vous allez vous allonger, même sans Casina. Normalement, vous devriez avoir déjà envie de vous endormir, d'accord ? Et là, vous mettez le Casina et vous faites la séance sans objectif, sans chercher à ce que ça marche. De toute façon, c'est trop tard, vous ne pouvez plus le rendre, c'est fini. Donc, vous allez le garder. Donc, maintenant, ça va marcher. Donc, je ne veux pas le rendre. Je sais, mais c'était une façon de parler. C'était pour vous dire que maintenant, il n'y a pas d'autre solution à ce que ça marche. Donc, vous vous mettez dans la situation à ne pas chercher à ce que ça marche. Vous vous installez, vous mettez les lumières, vous les mettez au minimum, vous commencez la séance, vous suivez la séance, ça marche pas, vous en fichez. Le lendemain, dès que vous pouvez, vous refaites pareil. Et vous allez voir qu'il va y arriver à un moment, votre esprit va lâcher. Surtout, et vous allez, sans vous en rendre compte, vous allez vous endormir sur la séance ou vous endormir à la fin de la séance. Le lendemain, vous refaites pareil. Le surlendemain, enfin, si c'est 2 jours d'écart, ce n'est pas grave. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Et une fois que vous aurez fait l'expérience de lâcher, ce que j'appelle lâcher, c'est perdre le fil de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous retrouvez à la fin de la séance et vous voyez, des fois, on fait des petits sursauts comme ça. Vous voyez, quand on fait un petit sursaut pendant la séance, c'est qu'en fait, on a perdu le fil. Vous voyez ? Donc, quand vous aurez fait cette expérience-là une fois, deux fois, trois fois, et que chaque fois ensuite que vous faites une séance, vous sentez que vous vous relaxez au lieu de que ça vous stimule, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez faire une cure de Casina le soir avant de vous endormir. Vous avez bien saisi le truc ? Oui. Voilà. Et ça, c'est vraiment la meilleure méthode. Et d'un côté, ne lâchez pas le morceau, mais de l'autre côté, lâchez le résultat. Vous en foutez que ça marche ou pas, ce n'est pas le sujet. Ce que vous devez quand même savoir, Yvette, c'est que même quand vous ratez les séances, et ça, je dis ça pour tout le monde, on est bien d'accord que l'objectif, c'est de les réussir. On est bien d'accord. Mais même quand vous ratez une séance, vous avez des bienfaits qui s'opèrent. Vous n'avez pas les bienfaits complets que je voudrais. Mais sachez, par exemple, que rien que le fait de synchroniser les hémisphères, c'est un truc extraordinaire pour exercer le cerveau, pour stimuler le cerveau. Et c'est cette synchronisation des hémisphères, quand vous-même, le soir, bien que la séance se soit mal passée, par exemple, le soir, vous endormez, le fait que vous ayez exercé votre cerveau à bien se synchroniser va faire que votre sommeil, ce soir-là, va être beaucoup plus efficace. Pas forcément plus agréable, mais en tout cas, beaucoup plus efficace en termes de nettoyage. Voyez ? Donc, ne croyez pas que vous perdez votre temps. Alors, je comprends que ça ne soit pas forcément agréable les premières fois. Et tant que cette lumière vous agresse, je vous rappelle pour tout le monde, le réglage de la lumière, on part toujours du minimum. Et s'il faut juste que vous, Yvette, vous mettiez au premier cran ou au deuxième, restez au premier ou au deuxième. On s'en fout. Ce qui compte, c'est d'être au maximum de ce qu'on supporte. Et il y a des personnes, elles ont besoin d'être à fond complètement pour avoir des effets. Mais si vous avez des effets à 1 ou 2,
Et c'est génial, parce que ça veut dire qu'il vous reste une marge de progression. Je peux vous assurer, Yvette, que là, autour de nous, là, vous faites des jalouses ou des jaloux. Parce qu'il y a des gens qui, dès les premières séances, ils étaient déjà au milieu. Donc, la marge de progression, elle était beaucoup moindre. Et y compris, et vous verrez qu'un jour, alors d'ailleurs, je veux que quelqu'un d'autre lui confirme, Yvette, est-ce que parmi toutes les personnes qui sont là, est-ce qu'éventuellement, il y aurait une autre personne qui a eu beaucoup, beaucoup de mal à rentrer et à lâcher prise? Personne? Ah ben vous avez... Oui, moi. Qui? Nicolas. Ah, Nicolas. Bah écoute, Nicolas, tu veux bien dire à Yvette Peut-être par mon boulot, je ne sais pas, mais... Comment? Peut-être de par mon métier aussi à la base, mais je ne sais pas. Bon, mais là, l'idée, c'est de rassurer Yvette en disant que tu as eu du mal quand elle a rentré dedans. J'ai mis 10, 12 séances. Vous avez entendu, Yvette? Oui. Et je suis thérapeute. Et Nicolas est thérapeute. Oui. Donc, en plus, lui, il savait, il était sûr que c'était un bon produit. Parce qu'en plus, parfois, on peut douter. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, bah, vous avez quand même de la chance, il y en a au moins un ce soir. Mais souvent, il y en a deux ou trois. Hein. Moi aussi. Qui? Catherine. Ah, Catherine, vous voyez? Et puis, à un moment donné, c'est arrivé. D'un seul coup, comme ça. D'un seul coup. Et bien, c'est exactement comme ça. Donc maintenant, vous savez que ça vous fait du bien. Vous n'attendez pas le résultat. Par contre, quand vous l'aurez, là, vous saurez que vous avez atteint quelque chose qu'aucune autre technique aujourd'hui disponible n'est capable de vous apprendre. Et je ne dis pas ça, je ne suis pas là en train de me gonfler les chevilles. Hein. C'est un si vous connaissez… Alors, attendez, je dis Casina, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui avait un psio, ça marche aussi avec un psio, ou nos anciens appareils, ça marche aussi. Ce que je veux dire, c'est… Je parle de cette technologie-là, hein, on est d'accord. Je ne parle pas de tous les modèles qui ont existé ou qui existent encore. Voilà. Donc, cette capacité d'apprendre aux personnes à lâcher le mental réellement pour réellement, par exemple, sortir d'une dépression, sortir d'un burn-out, ou apprendre à méditer, etc., etc. Parce que vous vous doutez bien, Yvette, que quand on a un mental aussi puissant que le vôtre, faire de la méditation, c'est impossible. Vous êtes d'accord avec moi? C'est impossible. J'en ai fait et ça réussissait. Mais ça réussissait à... Oui, mais j'arrive à m'endormir avec le Casina, mais sans la lumière. Et j'écoute beaucoup le son et... Je lâche prise, mais pas réellement, mais c'est la lumière qui me gêne. C'est la lumière qui vous gêne. Mmh. Et même au minimum. Oui. Actuellement, oui. Mmh. D'accord. Alors gardez-la au minimum. Mais gardez-la quand même. Ah, je la garde quand même, oui. Ah oui, je vous invite vraiment à le faire. Parce que la lumière, c'est fondamental. Quoi. Mmh. Hein, donc, mais bon, vous avez la petite gêne au début, mais à un moment donné, si vous me dites que vous arrivez à lâcher, c'est quand même à un moment donné, vous oubliez cette gêne. Oui, mais je n'utilise plus les lunettes. Ah non, ça là, par contre, ça faut. Là, Yvette, je crois que là, il va falloir. Voilà. Maintenant, écoutez, on va faire une chose. Faites une fois sur deux. Une fois sur deux, vous mettez la lumière au minimum, et une fois sur deux, vous ne la mettez pas. Voilà, et les fois où vous mettez la lumière, si vraiment au bout de 5-6 minutes, la lumière vous gêne, arrêtez-la. Et continuer la séance. Oui. D'accord. Mais le lendemain, recommencer. D'accord. Je vais la remettre. Super, Yvette. À très bientôt. Si besoin, vous pouvez revenir vers nous, soit le mois prochain, soit par mail, etc. Ce n'est pas parce que je vous rejoins ici une fois par mois qu'on ne peut pas se parler. Vous pouvez m'appeler. Vous pouvez appeler Nadia, qui n'était pas là ce soir, mais mon assistante qui pourra aussi vous répondre. N'hésitez pas. Hein. Merci, Yvette. Merci de votre attention. Alors, est-ce qu'il y a une autre, est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ça? Michel, elle voulait prendre la parole, oui. Ou quelqu'un d'autre? Oui, bonjour. Bonjour, Michel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je trouve qu'au niveau des couleurs, c'est vrai qu'au départ, quand on est un peu gêné, parce que ça fait beaucoup de. Ça clignote beaucoup, ça fait des lumières de couleurs différentes. Si on fait des couleurs genre bleu, vert, ça fait pas trop de. C'est assez facile de tenir, je trouve. C'est assez difficile ou facile? Non, facile. Si on met juste du bleu, vert, enfin des couleurs un peu comme ça, comme le programme. Ah, c'est une très bonne idée, Michel. Enfin, je trouve qu'on est beaucoup moins gêné que quand on voit des couleurs très vives qui changent sans arrêt de couleurs et de motifs et tout ça. Yvette, est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit Michel?
Oui, j'ai tout à fait entendu. Donc, c'est plutôt uniforme comme couleur. Eh bien, écoutez, essayez le vert. Essayez le vert, par exemple, ou le bleu. Le D'accord. bleu ou le vert sol. Essayez voir ce que ça donne. Merci, Michel, c'est une très bonne idée. Vous voyez, je Oui. n'y songeais même pas. Moi, je suis tellement dans le fait que je veux que ça marche à tout prix que j'en oublie. C'est une très bonne stratégie, Michel. Oui, c'est un petit peu ce qu'on trouve dans certains programmes. Non, mais de toute façon, Yvette et Oui. Michel, sur le programme, j'ai confiance en moi. Vous avez le choix des couleurs. C'est ça. Donc, mettez-vous sur le vert. Je crois que c'est la quatrième ou l'option 4 ou 5. Je ne l'ai pas en tête comme ça, mais. Je crois que je n'ose pas le 6, non? Peut-être, mais enfin, bref, choisissez. Là où Michel a raison, c'est parmi les 16 ambiances de couleurs, choisissez l'ambiance qui est le moins agressive pour vous. D'accord. Par exemple, Parce qu'en immersion. réalité, pardon Michel, allez-y. Par contre, immersion, c'est beaucoup dans les tons comme ça, bleu, Oui, vert. mais immersion, c'est un programme non guidé. Et Yvette, elle n'est pas initiée, donc les programmes non guidés, vous les oubliez, Yvette. On est bien d'accord. Oui. Pour l'instant, les programmes. Ben, parce que à quoi ça sert que vous fassiez des programmes non guidés? Puisque de toute façon, la lumière vous gêne. Donc vous n'aurez pas les effets attendus de la lumière. Du moins, je vais en parler, là, des programmes non guidés. Et en plus, vous n'aurez pas de contenu symbolique. Donc, alors là, pour le coup, dans votre cas personnel, autant je vais en parler pour d'autres, on va en parler justement, autant pour vous, Yvette, que les programmes non guidés. À une exception, le chapitre performance. Voilà. Mais ça, je vais en parler maintenant. Alors, mais avant d'en parler, est-ce que par rapport à ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent une précision ou une remarque par Alors, rapport moi, à ce que. je ne sais pas si on m'entend, j'ai une Oui, question. Christian, on vous entend très bien. Alors, moi, j'ai une question parce que moi, j'ai plusieurs CD comme Audiocaman. Oui. Et normalement, on peut le coupler avec l'appareil, c'est bien Bien ça, hein? sûr, ils sont compatibles. Le Casina est un appareil universel. Donc, Voilà. vous allez sur le forum, vous tapez CD, ou vous tapez, ou vous descendez, et vous allez trouver comment transformer vos CD et les comment dirais-je? J'ai fait un tutoriel comment transformer vos CD pour les mettre dans le Casina. Ah, Et ils sont d'accord. parfaitement compatibles et il faudra utiliser le mode AS2. Rappelez-vous, Christian, notez-le. Alors, mode AS2. Donc, dans le Casina, il y a trois modes. Il y a Alors, le j'ai mode pris ça. AS, le mode AS2. Donc, pour les autres, ceux qui n'ont pas nos anciens programmes, le mode AS2, vous l'oubliez. Il n'est pas à utiliser, il ne doit jamais être choisi. Jamais, jamais, jamais. Quand c'est un programme thérapeutique, vous devez être obligatoirement sur le mode AS, c'est-à-dire le mode automatique. Par contre, Christian a des anciens enregistrements du passé et ces enregistrements sont sous forme de CD. Sauf que dedans, c'est des enregistrements dans lesquels il y avait aussi de la lumière. Et le Casina va décoder la lumière contenue dans vos CD. D'accord? Et D'accord. pour le décoder, il faut que vous soyez sur le mode AS2. Et pour le tutoriel, allez sur le forum, je vous ai montré tout à l'heure comment y aller. Et vous descendez ou vous faites une petite recherche et vous allez tomber dessus. Et puis, autrement, j'aurais encore une autre question. J'ai vu qu'il y a des séances qu'on peut télécharger où c'est qu'il y a pas de, comme ça s'appelle, où on peut rajouter soi-même Oui. des suggestions. Oui, alors ça, c'est ce qu'on appelle des séances de personnalisation. Tout à fait. Et par contre, alors, qu'est-ce qu'on. Après, comment on pourrait. Comment dire ça? Trouver les messages qu'on pourrait. Parce que moi, je fais pas mal de parapente. Et puis, par exemple, pour pouvoir avoir plus d'intuition, pour pouvoir être Ah, plus j'ai compris. performant, tout ça. Alors, bon, pour ce qui est de l'intuition, vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure à Yvette sur l'histoire de synchroniser les hémisphères. Je Voilà. lui ai dit, même quand ça ne marche pas bien, ça synchronise toujours les hémisphères. Donc, par exemple, pour développer l'intuition, tout programme vous fait avancer là-dedans, parce que tous nos programmes synchronisent les hémisphères. Tous, tous, tous. Donc, ce n'est pas discriminant. Par contre, si en plus de synchroniser vos hémisphères, vous allez faire du parapente avec zéro stress, alors là, vous serez encore plus au top. Parce que ce qu'il faut bien savoir, et d'ailleurs, Christian, vous savez, je suis motard. On ne fait pas de la moto quand on est stressé. C'est très dangereux. Parce que quand on fait de la moto, quand on fait un sport comme ça, ou même du vélo, hein, quand on fait des sports où l'équilibre est important,
Bah, vous, c'est pareil. Il faut véritablement, le jour où on ne se sent pas au top, il ne faut pas y aller. Vraiment, faut pas, il faut s'écouter. J'allais dire, dans ces sports-là, il faut s'écouter, pisser de travers. Vous voyez ce que je veux dire ? Excusez-moi l'expression. Mais vraiment, ça, c'est un truc important. Et donc, pour si demain, par exemple, imaginons, on est samedi. Demain, vous allez faire une compétition, n'importe quoi. Eh bien, la semaine précédente, osez vous faire une cure de casina tous les soirs. Et juste avant de démarrer votre parapente, si vous avez votre casina dans votre voiture, bah, avant de démarrer votre parapente, faites-vous un programme de stimulation, par exemple, comme énergie. Voyez ? Dans le programme, dans le dossier, comme je vais parler des programmes non guidés, après, on va y revenir. Mais vous voyez, c'est-à-dire, dans la semaine, vous vous débarrassez de votre stress, vous améliorez la qualité de votre sommeil. Ça veut dire que vous allez, globalement, vous allez améliorer votre état général. Et donc, juste avant d'arriver, de démarrer votre compétition, vous faites un programme comme énergie. Qu'est-ce que ça va porter ? Ça va accélérer vos ondes cérébrales et vous allez mettre de côté la partie émotionnelle pour être beaucoup plus ici et maintenant, présent à ce que vous faites, concentré sur votre activité. C'est vraiment c'est la technique que je conseille à nos sportifs de haut niveau. Bon, là, je vous le fais en résumé, mais parce que là, je n'ai pas non plus le temps de développer. Mais l'idée, elle est celle-là. Faire une petite cure avant une compétition, bah, si j'ai que 2 jours, bah, je ne le fais que 2 jours. Mais plus j'ai un sommeil de qualité, plus je me fais des séances de casina avant une compétition, mieux c'est. Et juste avant, moi, je fais ça pour les gens qui passent des examens aussi, vous voyez ? Juste avant l'examen ou juste avant la compétition ou juste avant une tâche très difficile, faites-vous. Alors, vous verrez dans le chapitre, performance, vous avez vu, il y a 4 chapitres hein, dans votre casino. Hein. Dans le chapitre performance, vous avez concentration, vous avez etc., etc., etc. Et là, sur le mode de l'emploi du casino, ces programmes-là sont très bien décrits, sont très bien expliqués. Vous savez, le petit mode d'emploi papier, là. Voilà. Eh bien, ils sont très bien décrits et relisez un peu cette partie-là des modes d'emploi et vous allez probablement trouver un programme. Si vraiment vous vous sentez, juste avant la compétition, pas tout à fait au top, vous pouvez même faire un programme de 20 minutes de concentration. Hein. Et là, il n'y a pas besoin de voir, rien du tout. Là, c'est juste pour se stimuler le cerveau. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, moi, voilà la question. Par contre, c'était que… concernant le parapente, il y a des modes orientation parce que je vois que certains, par exemple, ils arrivent, même si je connais bien le lieu, mais des moments, j'ai l'impression d'être un peu perdu dans le lieu. Et je ne sais pas s'il n'y avait pas quelque chose où je pense, pour voir plus avoir ce côté orientation, on va dire, en 3D. Moi, je pense que… Alors là, on sort du cadre. Pour moi, on sort du cadre du casino. Le casino, lui, il est là pour vous optimiser, vous. Considérez que vous êtes une voiture. Si vous étiez une voiture, le casino, il change les pneus, il fait la vidange, il change l'eau du radiateur, il fait le ménage à l'intérieur du véhicule. L'idée du casino, c'est de rendre la voiture à 100% de ses possibilités. D'accord. Et comme en plus, ça améliore la carburation et au lieu d'être à 100%, vous pouvez espérer arriver à 110% de vous. Mais le casino vous fera jamais être à 200%. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire, il ne va pas changer qui vous êtes. Je veux dire, au sens, si vous êtes nul, imaginons, vous êtes nul en orientation, le casino ne fera pas grand-chose pour vous. Il va vous aider un peu, mais vous ne deviendrez jamais un champion de l'orientation. Par contre, si vous êtes moyen, ça peut vous rendre moyen plus. Moi, je dirais, voilà, je vois ce côté-là. Je vois plutôt ça. Vous voyez, c'est ça. Et bien, pour ça, alors, mais juste avant, vous m'avez parlé… vous m'avez parlé, et ça va me faire une transition, vous m'avez parlé de 2 choses. Vous m'avez parlé de personnalisation des programmes. L'idée, voilà, c'est que vous vouliez faire vos propres suggestions. On est bien d'accord ? Parfait. Très bien. Alors, bon, déjà, alors, effectivement, c'est possible. Et c'est ce qu'on appelle nos programmes de personnalisation. Ce que je vous invite à faire, et je dis pour tout le monde, sur le site Internet, vous allez sur un des programmes de personnalisation. Vous cliquez dessus et j'ai fait une vidéo explicative, d'une part.
Donc, où là, vraiment, je suis calme et j'explique posément comment on fait le truc, tous les principes, d'une part. Et d'autre part, dans le forum, et au même endroit, il y a le lien, il y a un tutoriel qui explique comment faire le montage vidéo, enfin, pas le montage vidéo, le montage audio qui permet de mixer l'enregistrement que vous feriez de vos propres suggestions avec le programme Casina. Voilà, j'ai vu qu'il faut installer un programme supplémentaire sur l'ordinateur. Oui, c'est un programme gratuit, c'est Audacity. Voilà. Hein Sauf si, est-ce que vous avez quoi comme ordinateur, un Mac ou un PC? Moi, j'ai un Mac. En ce moment. Si vous avez un Mac, vous pouvez utiliser GarageBand. Vous n'êtes pas obligé d'avoir… J'avais vu ça, oui. D'accord. Vous n'êtes pas obligé de télécharger. Avec GarageBand, c'est beaucoup plus facile encore qu'avec Audacity. Moi, j'ai mis Audacity parce qu'Audacity, il marche sur toutes les plateformes. D'accord ? Mais regardez le petit tutoriel, le principe que je fais sur Audacity, et vous transposez ça dans GarageBand. Vous D'accord. voyez ce que je veux dire ? Oui, oui. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose que vous m'avez demandé. Donc, ça, vraiment, je ne réponds pas en détail ce soir, parce que la petite vidéo qui est dans les programmes est très explicite, et j'ai envie d'utiliser le temps qu'on a ensemble pour vous expliquer des trucs plus difficiles à expliquer que ce truc-là. D'accord ? Très bien. Merci. Alors, ce que je voulais pour répondre à quelqu'un qui m'a dit, et d'ailleurs tout à l'heure Yvette a dit, mais moi j'ai essayé tous les programmes. Bon, on voit bien que vous n'avez pas lu le petit truc comment s'initier, etc., que je vous ai montré tout à l'heure, parce que normalement, les débutants ne devraient pas trop utiliser les programmes non guidés. À quoi servent les programmes non guidés d'ailleurs? Ce que j'appelle les programmes non guidés, c'est des programmes où il n'y a pas de suggestions, où on ne vous dit pas relaxez-vous, on ne vous dit pas faites ci, faites ça, il n'y a rien, il y a juste de la musique et de la lumière. En général, il y a de la musique, du son binaural et de la lumière. Des fois, il n'y a que de la musique et de la lumière. D'autres fois, il y a que du son binaural et de la lumière. D'accord ? Alors, à quoi ça sert ? Comment on les utilise, ces programmes-là ? Alors déjà, je vous rappelle que ces programmes-là, logiquement, ne sont… Alors, je mets de côté, vous avez compris pourquoi, le chapitre des programmes performance. Les programmes performance, ils sont conçus pour être utilisés tout seuls, sans rien. Vraiment, voilà le programme dont je vous ai parlé, Christian, par exemple, Énergie, un autre programme qui s'appelle Turbo Sieste, qui est absolument génial. Il dure 6 minutes et vous rentrez du travail, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Et puis, vous avez votre amoureux ou votre amoureuse qui vous attend. Vous avez la tête qui est complètement prise par votre activité de la journée ou vos ennuis, vos machins, vos bidules. Et puis, vous avez votre chérie IE ou I qui vous attend. Et puis, vous êtes dans votre boulot, dans votre truc. Et bien là, en 6 minutes, vous mettez votre Casina, vous choisissez dans le chapitre performance, c'est vers la fin, un programme qui s'appelle Turbo Sieste. En 6 minutes, ça va vous faire zapper le truc. Alors, ce n'est pas un programme hautement thérapeutique, en 6 minutes, on ne peut pas faire de miracle. Par contre, on va faire un miracle incroyable, c'est que ça va faire chuter la pression, ça va vous déconnecter de votre activité d'avant, et ça va pouvoir vous permettre de tranquillement, en vous détendant, en vous relaxant, de vous mettre dans l'instant présent. C'est un programme très intéressant pour ça. Mais bon, ce que je vous explique, je vais vous expliquer ce soir sur les programmes non guidés, c'est comment… dans le Casina, il y a des programmes guidés et des programmes non guidés. Quand est-ce que j'utilise les uns? Quand est-ce que j'utilise les autres? Alors, pour moi, si vous êtes dans une logique clairement thérapeutique, c'est-à-dire comme Yvette qui ne s'est pas encore initiée, ou comme tout à l'heure, je ne sais plus où elle est, mais on avait Viviane, je crois, comme tout à l'heure Viviane, qui sont dans une logique où elles ont clairement un objectif, ou retrouver le sommeil, ou sortir d'une dépression, etc., etc., vraiment privilégier au maximum le protocole que j'ai évoqué tout à l'heure avec des programmes guidés. Je suis clair. Par contre, à quoi servent les programmes non guidés? Alors pour moi, si vous relisez mon petit protocole que je divise en 3 phases, la première phase, c'est l'initiation. Deuxième phase, retour à l'équilibre. Vous voyez ce que j'appelle retour à l'équilibre, c'est-à-dire j'ai évacué un maximum de surcharge émotionnelle, j'ai retrouvé un sommeil serein, ça va bien. Donc, dans mon idée, quand je parle de la phase 2, c'est une phase pour me retrouver. Et pour moi, tant que je n'ai pas retrouvé mon équilibre de base, je ne me mets pas dans une logique d'expansion, de croissance. Vous voyez, le cas est comme vous, Christian.
Imaginons qu'en ce moment, vous soyez saturé de stress. Aucun autre objectif n'est atteignable tant que vous n'êtes pas à l'équilibre. Ça, c'est une règle, j'y peux rien. C'est-à-dire que notre inconscient fonctionne de la façon suivante. Il a des priorités absolues à l'intérieur de lui. Et tous vos petits projets, à côté de la survie, à côté de l'équilibre interne, pour votre inconscient, c'est la gnognotte. Vous voyez, ma moto, vos histoires de parapente, vos projets de ceci, vos projets de cela, si votre survie symbolique est en jeu, votre inconscient ne s'en occupe pas de vos petits projets. Donc, si vous voulez que votre inconscient soit au top du top pour vous aider, et on va le voir comment on peut lui… je vais vous résumer parce qu'il faut faire la formation vraiment si vous voulez aller au bout des choses, mais je vais quand même vous donner des tuyaux ce soir. Eh bien, première chose à faire, faire de mon mieux pour me débarrasser d'un maximum de stress pour être sûr de ne pas être dans ce qu'on appelle la logique de survie. La logique de survie, c'est quand notre inconscient est trop saturé. Il peut nous faire faire des choses pas du tout rationnelles, pas du tout opérationnelles. Et donc, tant qu'on est dans cette logique-là, ce n'est pas la peine de vouloir aller sur la Lune. D'accord ? Par contre, quand vous avez retrouvé votre équilibre, vous dormez bien, votre hygiène de vie est correcte, tout va bien, alors là, peut-être que vous pouvez envisager de mettre en œuvre des possibilités que vous avez à l'intérieur de vous, que nous avons tous à l'intérieur de nous, et qui ne sont pas forcément exploitées. D'accord ? Et c'est là où interviennent les programmes non guidés. D'accord. On est bien d'accord, en dehors des programmes performance. On est bien d'accord. Là, je parle des programmes contenus dans auto-hypnose non guidée ou méditation non guidée. Mmh. Alors, les programmes non guidés, comme ils ne sont pas guidés, ben, l'idée, c'est, ça sert à quoi ? Ah ben, ça sert à ce que moi, je fasse la guidance. D'accord ? C'est-à-dire, maintenant, par exemple, vous, Christian, vous avez retrouvé votre équilibre et maintenant, vous, votre objectif, eh ben, c'est de retrouver une meilleure capacité d'orientation quand vous faites du parapente. Voilà. Imaginons que c'est ça votre objectif. Alors, eh bien, il existe des façons de se parler à l'intérieur de soi pour activer son inconscient vers un objectif. D'accord ? D'accord. Bien. Alors, il se trouve que ce soir, je ne vais pas avoir la possibilité, parce que ça me prendrait, encore une fois, il faut une journée. Je ne peux pas vous expliquer tous les trucs. Mais la base de la base, c'est que ces programmes non guidés servent à ça. Alors, tant que vous n'avez pas les trucs, c'est-à-dire tant que vous n'avez pas appris comment on fabrique une suggestion, et donc, si vous ne savez pas fabriquer une suggestion, vous ne pouvez pas savoir fabriquer une autosuggestion, je vous donne deux conseils qui permettent de faire de l'autosuggestion sans faire de suggestion. Je ne sais pas si je suis clair. Alors, il y a deux trucs. Attendez, il y en a peut-être plein d'autres. Hein. Moi, je vous en donne deux. Il y en a peut-être plein d'autres. Les deux que je vous conseille. Le premier, c'est la visualisation. C'est-à-dire, vous ne dites rien à votre inconscient, vous ne lui dites rien. C'est-à-dire, même à l'intérieur de vous, vous ne dites rien. Vous faites une séance, par exemple. Dans un cas comme vous, Christian, par rapport à une visualisation, je vous conseille de faire un programme de méditation non guidé. Pourquoi ? Parce que quand on fait de la visualisation, on a besoin d'être quand même un petit peu présent. D'accord ? Voilà. Donc, moi, dans un cas comme ça, j'utiliserai un programme de méditation. La durée qui vous convient, donc il y a différentes durées, et puis il y en a, essayez-les, il y en a qui vont vous plaire, d'autres qui ne vont pas vous plaire. Utilisez celui qui vous parle. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Le but, ce n'est pas de les utiliser tous, c'est que dans tous ceux qu'il y a, vous trouviez les quelques-uns qui vous conviennent. Vous voyez ? La bonne longueur, les bonnes couleurs, etc., etc. Quand vous avez trouvé celui qui vous convient dans tout le chapitre, eh bien, vous mettez votre programme, vous réglez la lumière comme d'habitude, et là, vous essayez de connecter votre esprit dans la douceur et de visualiser ce que vous voulez obtenir déjà réalisé. D'accord ? Et ça, c'est une première chose. Ça, c'est plutôt facile. Mais il y a une deuxième chose qui est plus difficile. Mais ça demande un peu d'entraînement. La deuxième chose, une fois que vous avez visualisé, par exemple, prenons mon cas personnel, je suis en moto, là, je m'imagine, je me visualise prendre des virages très bien avec une trajectoire juste au bon endroit, le frein juste au bon moment. Et j'essaye de ressentir
la sensation que ça fait. Vous voyez ? Parce que ce que vous voulez, Christian, vous l'avez déjà ressenti. Il y a déjà des moments où vous avez bien pris votre trajectoire. Ça vous est déjà arrivé. Oui, oui. Bien. Alors, Christian, vous allez visualiser ou éventuellement vous rappeler. Rappelez-vous les fois où vous avez bien réussi et fixez votre attention et essayez de ressentir le plaisir de vous connecter suffisamment jusqu'à ce que vous ressentiez le plaisir. Je vous rappelle qu'en même temps, vous êtes bombardé de lumière, hein. Donc, c'est pas évident, hein, mais on est bien d'accord. Si c'était facile, je vous mettrais ça, je vous mettrais pas ça en troisième, en fin fond du protocole. Ça, c'est, il y a plein de gens qui ne l'utilisent pas. Donc là, vous visualisez, vous ressentez le plaisir, vous ressentez l'émotion que ça fait de réussir ce truc-là. Voyez ? Et là, vous essayez de rester le plus longtemps possible connecté à ce plaisir d'avoir réussi quelque chose. Vous voyez ? La même chose que la PNL, en fait. C'est dans le même. Mais c'est de la PNL. Tout ce que je vous ai raconté ce soir, c'est de la PNL. Simplement, je n'appelle pas ça de la PNL, mais c'est de la PNL, évidemment. Sauf que le problème de la PNL, c'est que souvent, c'est trop directif. Éventuellement, revoyez ce que j'ai raconté là, tout à l'heure, en début de soirée, tout ce que j'ai raconté sur, vous savez, les symptômes, etc., sur le côté symbolique des choses. Parce que l'idée, justement, Christian, c'est que si vous vous répétez à l'intérieur de vous, il faut que j'ai une bonne orientation, une bonne orientation, une bonne orientation, pour votre inconscient, ça ne veut rien dire. Il n'y comprend rien à votre histoire. Par contre, quand vous y serez, il a ressenti l'émotion, il a vécu ce que vous voulez. Donc, il sait ce que vous voulez. Et une fois que vous savez ce que vous voulez, ne lui donnez pas des moyens. C'est-à-dire, ne cherchez pas, laissez-le faire. Il va vous donner la solution. D'accord, ouais. La difficulté, ce n'est pas d'obtenir le résultat, c'est de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Et une fois que vous le voulez, alors je pars du principe, c'est quelque chose d'atteignable. D'accord ? Moi, si je décide, je visualise dans ma tête d'être champion du monde de saut en hauteur, à près de 90 kilos, vous savez très bien que ça ne va pas le faire. Mmh. Surtout à mon âge en plus, puis ça ne l'aurait jamais fait. Donc ça ne sert à rien de visualiser ça. Parce qu'en plus, votre inconscient va décrocher. Jamais vous pourrez ressentir cette émotion. Donc, parce qu'elle n'est pas réelle, ça sera faux. Alors que vous, comme vous connaissez ce que vous voulez faire, voyez, au niveau de votre parapente, vous savez le truc, donc vous l'avez déjà ressenti. Donc, même si vous n'avez ressenti qu'un petit peu, concentrez-vous sur ce petit peu, puis visualisez le truc de mieux en mieux, de mieux en mieux, plongez-vous dans le truc. Ça se trouve, à un moment donné, vous allez déconnecter en pensant à ça. Bingo, le message est passé. Vous faites ça 2-3 fois de suite, 4, 5, 10, chaque fois que vous pouvez. C'est bon, la règle à l'inconscient, faites-lui ressentir, faites-vous vivez ce que vous voulez vivre et il saura vous le rapporter. C'est pour ça que quelqu'un qui veut de l'amour et qui est dans la colère, peut pas trouver l'amour, c'est pas possible, parce que l'inconscient, lui, ce qu'il entend, c'est colère. Donc qu'est-ce qu'il entend? Il entend mon patron veut ressentir plus de colère, et il va vous faire vivre de plus en plus des situations où il y a de la colère, parce qu'il croit que c'est ça que vous voulez. Et pourquoi il croit que c'est ça que vous voulez? Parce que chaque fois que vous y êtes, il y en a de plus en plus. Donc il se dit, ah bon, il veut être en colère, ok, j'ai compris, c'est un bon plan, il veut de la colère, et il va vous faire vivre de la colère, alors que vous, votre but, c'est justement de ne pas en vivre de la colère. Mais comme l'inconscient ne comprend pas la négation, voyez, c'est pour ça que je ne peux pas développer trop ce soir, hein, mais voilà, là, c'est une première piste. Une deuxième piste, c'est celle que j'ai donnée tout à l'heure à Viviane sans même qu'elle s'en rende compte. La deuxième piste, c'est la prière. D'accord ? La prière. Quand je dis la prière, ce n'est pas par hasard que toutes les religions, vous avez remarqué, toutes les religions, on se met à genoux, si possible. Bon, là, ce n'est pas ce que je vous demande de faire avec le casinard, hein. Mais symboliquement, je parle. On se met à genoux et on demande à Dieu de nous apporter ce qu'on a besoin. D'accord ? Mais ce n'est pas en se répétant « je veux être le plus… » « je veux être le plus grand, le plus beau, le plus fort ». Ça, à ce propos, je vous rappelle, j'ouvre une parenthèse, je vous rappelle que le livre d'Émile Coué, qui parle de l'autosuggestion consciente, mais vous en comprendrez évidemment les limites, dans le livre, y compris dans le livre, vous comprendrez les limites, il est disponible sur notre site et il est gratuit, donc vous pouvez le télécharger gratuitement.
Voilà, donc je referme la parenthèse. La prière a cette caractéristique, c'est qu'on doit être dans la modestie la plus absolue. On est dans la demande. D'accord ? Donc, vous mettez votre casina sur une séance qui vous plaît. Ça peut être une séance d'auto-hypnose ou une séance de méditation. Peu importe, pourvu que ce soit une qui vous plaise. Vous vous mettez dans votre lit ou dans un fauteuil de relaxation ou même dans un fauteuil assis, ça peut le faire. Et là, priez. Mais vraiment, alors là, pour le coup, comme j'ai dit tout à l'heure à Viviane, vous vous rappelez, je lui ai dit, écoute, je comprends rien à ce qui m'arrive, je ne sais pas où tu veux en venir, mais aide-moi, s'il te plaît, j'y comprends rien. Mais là, et vous voyez, je suis en train de commencer à vous le faire, là, et ben, je ressens tout de suite que ça me... vous voyez, ça me connecte, quoi, parce que là, quand vous priez, vraiment sincèrement, en fait, l'idée, c'est de se mettre dans une logique de mettre le mental au ras des pâquerettes, c'est-à-dire de se mettre, de se démunir. Mettez-vous à poil devant vous-même, c'est-à-dire osez vous sentir faible, petit, démuni, en demandant à cette partie de vous de prendre soin de vous, de vous aider à obtenir un truc ou un autre. C'est-à-dire, voilà, par exemple, dans votre cas, vous pourriez très bien lui dire « je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas si c'est… » Alors, moi, c'est comme ça que je ferais, mais je ne dis pas que c'est… Après, chacun doit interpréter à sa façon. Hein. Mais imaginons « je ne sais pas si c'est possible. » Vous pouvez d'ailleurs le faire à voix haute, si ça vous dit. Si vous voulez le faire à l'intérieur de la tête, c'est bien. Si vous voulez le faire à voix haute, ça marche aussi. Évidemment, il ne faut pas être à côté de votre compagne, Christian, parce que là, elle va se dire, mais Christian, il pète un câble, ça y est, je divorce. Non, mais et vous lui dites, mon inconscient, mon sage intérieur, mon... Est-ce que vous êtes croyant, Christian? Alors, je suis croyant, oui. Ah ben écoutez, si vous êtes croyant, vous pouvez prier votre Dieu. Priez votre Dieu, parce que Dieu, symboliquement, c'est votre inconscient. Donc, si vous croyez en Dieu, si vous avez déjà cette chance d'avoir la... Je crois à une force, je ne dirais pas forcément à Dieu, mais disons que je suis très, voilà, très ouvert à ce genre de, voilà, d'approche. Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez très bien dire, mon inconscient, mon inconscient qui, je le sais, en tout cas, je le crois, est relié à tout ce qu'il y a de plus puissant dans l'univers. Comment tu peux m'aider? Je ne sais pas si tu peux m'aider à voilà, mon rêve, c'est que quand je suis dans les airs, est-ce que tu pourrais m'aider à mieux me lâcher, à être plus moi-même et à bien retrouver mes sensations pour être connecté à mon instinct, pour être connecté? Est-ce que tu, dans ces moments-là, est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que tu peux être avec moi? Est-ce que tu peux m'aider? Je compte sur toi. Est-ce que tu peux m'aider? Mais les premières fois, vous allez faire semblant. Vous voyez ce que je veux dire? Et petit à petit, ça va devenir, à un moment donné, on se connecte. Et là, vous savez que vous êtes en train de vraiment prier. Et que vous priez votre inconscient, que vous priez un Dieu, quel qu'il soit, que vous priez une force, l'univers, c'est l'attitude d'être dans la demande et non pas dans l'exigence. Et d'où la limite, pour moi, des gens qui font... des hypnotiseurs qui vous font croire que la suggestion directe de faire ci ou faire ça, ça marche. Oui, ça peut marcher un petit peu, mais très peu de temps. Et dès que si ce n'est pas en phase avec qui vous êtes, eh ben ça va marcher une fois ou deux. Mais ce n'est pas ça qui vous fera réussir à long terme et définitivement. Si vous vous réconciliez avec cette part de vous, à un moment donné, vous pouvez tout lui demander. Et après, vous savez, de deux choses l'une. Soit Christian, une fois que vous aurez... Je pars du principe que vous n'êtes pas chargé de stress, hein, on est d'accord. Que vous avez fait ce genre de travail et que vous n'obtenez pas le résultat, eh ben cherchez pas. Hein. C'est que ce n'est pas votre truc. C'est tout, cherchez pas. Parce que sinon, vous y arriverez. Et sinon, ça voudra dire que vous arrivez juste à vos limites, c'est tout. Et à ce moment-là, le travail, ce n'est pas de vouloir aller toujours plus loin, c'est d'accepter vos limites et de prendre du plaisir dans vos limites. C'est une autre attitude. Je ne sais pas si tout le monde me suit là, mais... Dans un premier temps, c'est de dire « je sais que tu m'aides, je sais que tu es capable de me faire faire des choses, est-ce que tu peux m'aider? Je ne sais pas comment faire, guide-moi, est-ce que je dois apprendre des choses? Est-ce que je dois lire des livres? Est-ce que je dois… » Vous voyez,
Ouvrez toutes les hypothèses, posez-lui des questions, faites-lui des demandes en toute modestie, en toute humilité, en vous sentant un peu démuni. Voyez, imaginez que vous êtes un petit garçon qui demande à l'univers, à Dieu, de l'aider. Et là, ça mobilise une énergie absolument incroyable à l'intérieur de nous, parce que notre inconscient, il a 7 à 9 ans d'âge mental. Donc, quand on lui parle comme ça, il se sent reconnu, il se sent entendu, il se sent aimé, il se sent chouchouté. Donc là, si en plus, vous pouvez vous balancer de l'amour à ce moment-là, vous pouvez être dans de la tendresse. Au début, on n'y arrive pas forcément. C'est quelque chose, en tout cas, moi, je ne veux vous parler que de choses que je connais, que je trouve extrêmement efficace. Et on sent très bien, à un moment donné, quand on enclenche. Et après, ça, c'est les premières phases. Et pour moi, la troisième phase, après, c'est même plus nécessaire. Après, le truc, c'est l'intention. Après, quand vous êtes dans votre parapente, vous pouvez lui dire « Oh, c'est le moment de m'aider, c'est le moment de m'aider, aide-moi, 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 c'est maintenant, vas-y, aide-moi, je lâche, je laisse faire. » Et vous voyez ce que je veux dire, voyez... Ah, attendez, excusez-moi, j'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Tout marche, je vais donner un coup dans mon… Vous voyez le plan? Voilà les deux façons où il n'y a pas besoin de comprendre grand-chose à la suggestion symbolique pour se faire des autosuggestions. Je pense qu'il ne me manque vraiment pas grand-chose parce que le parapente, je pratique depuis très longtemps et je n'ai jamais de stress parce que je dirais que j'ai une bonne pratique. Et c'est vrai que là, je pense qu'à avoir comme ça, il me manque vraiment très, très peu pour y arriver comme ça. Eh bien, voilà. Eh bien, alors, donc, ça va le faire. Voilà. Donc, ça va le faire. Donc, le truc, c'est que maintenant, Christian, quand vous allez être dans la chose, dans l'action, essayez de lâcher votre exigence. Essayez de vous connectez-vous au plaisir. De voir le résultat, en fait, plutôt. Voilà, ne vous connectez pas au résultat. Non, quand je veux dire… De voir la réalisation. C'est ça. Et quand ça vient, et quand vous réussissez le truc, alors là, par contre… je veux dire, dans votre journée, vous ratez 10 fois. Et la 11e, vous réussissez un petit peu. Alors là, il faut vous connecter au plaisir et dire « Oh, merci, 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 merci. Oh, qu'est-ce que c'était génial, qu'est-ce que c'était bon. » Mettez-en des tonnes. On n'en fait jamais assez. Vous en balancez des tonnes quand vous réussissez. Un principe, quelquefois, ça arrive, quand on fait des distances, on doit faire du stop. Eh ben, je me suis toujours détaché de dire, oh, de toute façon, le stop, ça va y aller sans problème. Et il y en a plein qui m'ont dit, mais toi, je ne sais pas comment tu fais. Tu arrives toujours à trouver quelqu'un pour te ramener dans des situations même improbables. Voilà, eh ben, c'est ça l'intention. Vous savez, c'est le même principe que la place de parking. J'ai encore bluffé des amis dimanche. Le coup de la place de parking, ça marche à tous les coups. Et pourtant, qui ose le faire ? Bah, pas beaucoup. Mais... Moi, c'est que je le fais parce qu'il y a même des endroits où on m'a dit « Ah, ici, on ne prend jamais d'habitude. On ne prend jamais quelqu'un en stop. » Ça m'a déjà arrivé quand même plusieurs fois. Et puis là, il y a une situation où, ça a été. Ben oui, parce que vous étiez dans la demande. Voilà. Et voyez, et quand je vous dis, au moment où vous réussissez d'avoir du plaisir et de remercier, l'idée, ce n'est pas de dire « Ouah, ça y est, je suis le plus grand, le plus beau, le plus fort. » Non, ça ne marche pas. Ça marche pour les très, très grands champions qui, eux, sont à un autre niveau. Là, on n'est pas là-dedans. Enfin, je pars du principe que vous n'êtes pas un mâle dominant alpha, le plus puissant de votre catégorie, parce que c'est d'autres principes qui fonctionnent avec ces gens-là. Moi, je vous parle pour des gens normaux, j'allais dire, comme vous et moi, si je puis dire. Et bien là, non. Là, quand vous réussissez un petit truc, l'important, c'est vraiment que vous vous envoyez de l'énergie, toujours dans la douceur, toujours dans la modestie. Mais par contre, osez remercier à fond, quoi. Alors ça, justement, je remercie. Hein. Ça, je dis, merci, voilà. Non, mais même vous-même, je veux dire, quand vous serez dans votre parapente et que vous venez de réussir une figure que vous n'arriviez pas à faire avant, et là, vous arrivez à la faire, et là, il faut vous dire, là, connectez-vous au plaisir que ça vous fait, amplifiez ce plaisir et remerciez. Là, votre inconscient, il comprend 5 sur 5, je vous promets, il a compris ce que vous vouliez. Mm-hmm. Donc l'idée, toujours dans ces cas-là, connectons-nous à l'intention, à mon désir, et ensuite, je lâche le résultat.
Et je n'exige pas le résultat. Je ne veux pas le résultat. Si vous voulez le résultat, les très, très grands champions vont peut-être y arriver. Je ne dis pas que ce principe-là ne marche jamais. Mais la probabilité qu'il marche de façon efficace n'est pas aussi importante que de connectez-vous à la demande, demandez. D'ailleurs, on dit bien, demandez et vous obtiendrez. N'exigez pas. D'ailleurs, écoutez, mes amis, quelqu'un arrive près de vous. C'est une loi universelle. Si quelqu'un arrive près de vous, « Ouais, Christian, alors maintenant, tu vas me faire ci, tu vas me faire ça, et ci, et ça, et ci, et ça. » Ça vous motive pour vous mettre au boulot, franchement, Christian ? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Par contre, si j'arrive et je dis, « Oh, Christian, vraiment, si tu pouvais me faire ça, vraiment, ça m'arrangerait énormément, puis ça me ferait vraiment plaisir. Est-ce qu'éventuellement, tu pourrais venir me donner un coup de main pour ci et pour ça ?» Ah ben là, vous avez votre cœur qui s'ouvre comme ça, vous n'avez qu'une envie, c'est y aller, oui ou non ? Oui, oui. Eh bien voilà, ben votre inconscient, il fonctionne comme vous. Sauf qu'en plus, il a 9 ans d'âge mental, il est encore plus sensible à ce genre de démarche. Lui, c'est pour ça que dans les séances, si vous avez déjà entendu, on dit toujours, vous êtes formidable, vous êtes fantastique, c'est extraordinaire. Parce que l'enfant de 7 ans qui est en vous, il comprend ça, ça lui parle. Et vous voyez, dans ces moments-là, on ne dit jamais, vous allez faire ci, vous allez faire ça. On dit toujours... vous avez les potentialités, vous avez toutes les possibilités. Vous voyez ce que je veux dire ? Jamais c'est directif. C'est toujours dans une logique de remerciement, d'amplification des choses, mais jamais dans l'exigence. Et c'est pour ça que le coup de la prière marche à tous les coups, parce que aussi ça nous permet, souvent en verbalisant, de se mettre dans l'intention. Parce que des fois, ce n'est même pas clair à l'intérieur de nous ce qu'on veut vraiment. Et le fait de le verbaliser, de faire une prière pour le demander, ça vous oblige à affiner votre demande. Il faut demander quelque chose de précis et ça permet d'affiner votre demande et ça permet que votre intention réelle se précise plutôt que ce soit quelque chose de flou. Je veux dire, genre, si vous dites à votre inconscient aide-moi à être meilleur en parapente, c'est pas assez précis. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. Vous voyez, en fait, c'est intellectuel, ça ne marche pas. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut être meilleur en fait. C'est ça. Ça ne veut rien dire. Puis être meilleur, lui, et ça se trouve pour lui, être meilleur, c'est plonger plus vite. Non, vous voyez, ça ne veut rien dire pour lui. Par contre, quand vous, dans votre visualisation ou au moment où vous demandez quelque chose, il sent l'émotion que ça vous fait. Il sent que… Le plaisir. Alors là, ça, c'est du carburant pour l'inconscient. Et c'est un car... Parce qu'en réalité, vous savez, vous connaissez la légende du génie qui sort de la lampe. Vous connaissez cette légende ? Oui. Eh bien, c'est le fonctionnement de notre inconscient. En fait, quand on lui demande, quand on fait un vœu, l'inconscient, il fera tout ce qu'il peut pour vous accorder ce vœu. S'il ne vous l'accorde pas, il n'y a que 2 possibilités. Soit c'est que votre demande ne correspond pas à qui vous êtes ou à vos possibilités. Sinon, si c'est possible, vous l'aurez. Ça ne peut pas être autrement. Ou alors, c'est que ce n'est pas possible. Humainement parlant, je veux dire. Voilà. On est d'accord ? Maintenant, bah, vous pratiquez déjà le parapente ou parmi d'autres, vous pratiquez une activité. Améliorer cette activité, y prendre encore plus de plaisir, l'inconscient, il ne peut être que d'accord. Il n'y a rien là-dedans qui peut le contrarier. Vous voyez ? Par contre, si dans cette même logique, vous êtes dans une logique de compétition et que vous voulez forcément être plus fort qu'un autre, des fois, ça marche moins bien. Ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux vous connecter au plaisir de la réussite de votre sport ou de votre activité. Mais très bien. N'incluez pas une troisième personne, ce n'est pas toujours évident à gérer au niveau de la… Non, alors ça, moi j'inclus personne. Moi, j'ai toujours préconisé le parapente, ça a toujours été pour moi le plaisir, toujours. Ben, vous continuez encore. Toujours. Est-ce que ces principes que je viens de vous donner là, par rapport au programme non guidé, est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Est-ce que vous avez des remarques ou des demandes par rapport à ça ? Parce qu'il est bientôt 10 heures. Je pense que vous avez été très, 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 très patient. Donc, peut-être pas vous garder toute la nuit. Mais je voudrais au moins savoir si j'ai été clair par rapport à ça. Le programme non guidé, en fait, il se situe essentiellement sur l'auto-hypnose, par exemple, Il y a 2 chapitres, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a 2 chapitres où il y a des programmes. Alors, dans votre cas, non guidé, ça sera marqué. C'est marqué NG. NG, il n'y a que dans l'auto-hypnose. Peut-être qu'on ne l'a pas mis dans. Oui, parce que dans l'auto-hypnose, c'était plus évident au départ.
Parce qu'il y avait des souvent, c'est dans auto-hypnose qu'il y avait le plus de programmes guidés. Voilà, alors que dans méditation, il y en a pas. De toute façon, dans méditation, à part connexion, sauf si vous en avez rajouté, toutes les autres sont non guidées. De toute façon, c'est simple, vous démarrez une séance. Si au bout de 30 secondes, il n'y a pas de voix, c'est que c'est non guidé. Hein. On est d'accord. Oui. Ah oui, c'est pas fort. Il y en a qui peuvent être non guidés et ça ne sera pas marqué NG, en fait. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Par ailleurs, les voyages sensoriels. Ah, moi, désolé, je dois vous laisser. Hein. Oui, mais il n'y a pas de problème, Christian. Bonne soirée. Merci beaucoup. Hein. Merci c'était un beaucoup. Plaisir. C'était un plaisir, Christian. Ouais, je vous rappelle que vous retrouverez le replay. Du coup, j'ai perdu le fil. Excusez-moi, Michel. Les voyages sensoriels. Oui, oui. Les voyages sensoriels sont aussi des programmes non guidés. Mais par contre, c'est des programmes qui ne sont pas des programmes thérapeutiques ni des programmes pour faire de l'auto-hypnose ou de l'auto-suggestion ou de la méditation. Ce sont des pures pauses bonheur. Là, le principe des voyages sensoriels, c'est vraiment pur plaisir. C'est-à-dire que les fréquences qui ont été écrites sur la partie son ont un objectif d'illustration, de renforcement de la partie audio dans une logique esthétique, dans une logique de plaisir, dans une logique de bien-être. Alors, ça détend, ça relaxe aussi, mais ce n'est pas des programmes où je peux vous dire, ben voilà, ce programme-là va renforcer ci, ce programme-là… Non, pas du tout. C'est pour faire des pauses. Moi, par exemple, j'adore Audio Illusion, j'adore Plateau Tibétain, j'adore Voyage en Tambour, et je l'ai fait, mais là, c'est vraiment… Bah voilà, vous voulez vous faire un petit moment plaisir, vous savez que ça va vous faire une transition, ça va vous faire un petit moment à vous, juste comme ça, sans objectif. Sans objectif. On ne fait pas d'autosuggestion dans ces programmes-là. Comment ? On ne fait pas d'autosuggestion dans ces programmes-là. Tout est toujours possible, tout est toujours possible. Ce soir, quand vous m'entendez, l'important ici, c'est que vous entendiez les grandes lignes. Après, osez aussi… être autonome et aussi essayer des trucs. Hein, parce que, attendez, c'est parfois en essayant des choses qu'on découvre. D'autant plus qu'à un moment donné, le lien que vous allez avoir avec votre casino, il va être unique, il va être le vôtre. Vous savez, moi ici, je ne vous donne que des grandes pistes, des grandes lignes. Après, évidemment, chacun doit interpréter ça à sa sauce. Et n'hésitez d'ailleurs pas, quand vous découvrez des trucs, vous avez vu, Michel, comme vous avez été utile ce soir à Yvette, une chose que je connais par cœur, mais ça ne m'est même pas venu à l'esprit de le dire. Et grâce à vous, vous voyez, ben, cette expérience, vous l'êtes faite vous-même. Oui. Annick, vous vouliez placer quelque chose, on dirait. Oui, voilà, parce que j'ai un ami qui est malade du Covid et je voulais demander quels sont les programmes les plus pertinents pour l'aider. Il y en a un. Il y en a un qui a été fait pour ça. Alors, pour le coup, oui. Et là, c'est différent. C'est celui qui s'appelle Booster son immunité. Oui. C'est un programme collaboratif. Vous le téléchargez. Il est gratuit en plus. D'accord. Et par contre, s'il a le Covid, je peux par contre vous donner… est-ce que c'est quelqu'un qui est un peu ouvert à la médecine alternative ou pas ? Oui, très. Alors, dans ce cas, je vous donne le traitement. Même, et là, il n'y a pas besoin que ce soit précoce, évidemment. Il a depuis combien de temps son Covid ? Oh, je veux dire une grosse semaine, 10 jours. Ah ouais, donc il est déjà à la fin, là. Ou est-ce qu'il en baffe ? Il est en perte d'énergie vitale, un sentiment de grand désordre, pas moyen. Quel âge il a ? Quel âge il a, Annick ? 57. Ah oui, donc ça va, il est jeune, ça va le faire. Il a pas de comorbidité ? Non. Il est suivi par un médecin ou pas ? Très peu. Enfin, oui, si, quand même. Oui. Bon, alors, sinon, pareil, hein, ce que je vous donne là, c'est des conseils humains. Oui. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, vous savez ce qu'on va faire ? Je vais arrêter l'enregistrement. Oui, d'accord. Je vais arrêter l'enregistrement et puis je vais vous donner ça hors. Parce que comme c'est quand même un truc public, je n'ai pas envie d'avoir d'ennui. D'accord. Donc je vais. Où est-ce que c'est déjà ? Enregistrement, c'est ici. Mais donc, par rapport au casino, à part booster son immunité. Non, mais après, c'est ce que je. Revenez à ce que je vous ai dit au début. Après, c'est. Oui, plus c'est il en ça. Fait, mieux ça vaut. L'important, c'est qu'il fasse des programmes qui lui conviennent, qui lui permettent d'avoir un bon sommeil, une bonne relaxation, oui. Et qu'il sorte de sa peur. Alors, attendez.
Alors, je vais faire un peu semblant. Voilà, donc du coup, on va en rester là. Merci oui, beaucoup merci. De votre attention, mais ne partez pas. Ne partez pas, mais je coupe. Je coupe. Voilà. Merci. Allez, merci beaucoup de votre attention et à très bientôt. Allez, je coupe.